Salut tout le monde, salut, bienvenue sur ce premier live Twitch donc de l'association Comics Culture Project, le premier d'une longue liste, je l'espère. On prévoit normalement de se voir au moins une fois par mois, on en reparlera de toute façon un petit peu plus tard. Mais voilà, donc pour ce premier live Twitch, je suis en compagnie de deux camarades de l'association, qui sont donc Jimmy, qui tient par exemple sur les réseaux sociaux le profil Parlons BD, donc sur Twitter et Instagram notamment. Et donc nous avons Simon, donc ancien présentateur de Pop in Books, qui m'a fait une belle anti-sèche pour pas que j'oublie le nom avec ma mémoire de poisson rouge. Donc voilà pour ce premier live, donc qui va être un peu différent des prochains. Là, ça va vraiment être un live un peu introductif. On va déjà commencer par vous présenter un peu qui on est, le but de l'association, et puis on va parler de différents sujets que je vous dévoilerai au fur et à mesure. Les prochains, forcément, on va pas vous faire une redite à chaque fois de qui on est, hein, ça sert à rien, il y aura qu'à regarder le premier pour se rappeler ce genre de choses. On va commencer, hein, sans plus attendre. On va commencer donc par une petite présentation. De l'association, de comment, en gros, on en est venu à la créer. Les amis, n'hésitez pas si vous voulez rajouter quelque chose. Pour revenir un peu sur les origines de tout ça, à la base j'avais créé les sites Indélébule et L'Entrelepsiotique. Alors il y a même eu un site qui s'appelait Tom Marvel au tout début, qui était, comme son nom l'indique, essentiellement consacré à Marvel. J'ai tenu ça pendant quelques temps, il y avait surtout des news à la base, et puis petit à petit, j'ai commencé à ajouter des comics indépendants. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à renommer le site en Indélébule et à créer ensuite son petit frère, L'Entrelepsiotique, uniquement dédié aux comics Valiant. Et voilà, donc ça a duré comme ça pendant un certain temps. Et puis dernièrement, les choses ont un petit peu évolué, comme pour beaucoup de gens. Ça a évolué pendant la crise du Covid, où il y a eu pas mal de questionnements, je pense que beaucoup vont s'en souvenir, par rapport au prix des comics, à la crise du marché, au fait que les comics se vendaient peu, et il y avait beaucoup de débats sur notamment le format, le prix. Et ça tournait un peu en rond, il y avait des appels à faire des tables rondes, chose qui était intéressante, hein. J'attendais juste de voir si effectivement il y aurait ces tables rondes. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Il y a eu pas mal de personnes qui ont eu des initiatives à droite à gauche, mais pas vraiment de regroupement pour faire bouger les choses. Et voyant ça, en fait, j'ai fini par me dire, moi j'ai peut-être la possibilité de faire quelque chose. J'ai la chance d'avoir comme base mes deux premiers sites. J'en ai parlé avec ma femme Maëva et on s'est dit, alors ma femme qui m'aidait déjà pour Indélébule, on s'est dit faut qu'on lance quelque chose, on va lancer une association. Et c'est comme ça que nous avons tous les deux décidé de lancer l'association Comics Culture Project. Qui a pris la relève des deux sites. Les sites ont fini par intégrer le projet. Donc voilà en gros, hein, pour tout ce qui est aspect création pur et simple de l'association. Notre volonté, c'était vraiment d'essayer de faire quelque chose pour booster un peu le marché des comics et l'aider. Dans l'association, avec Maëva, nous sommes les deux fondateurs. Donc moi je suis le président et Maëva est la trésorière. Et nous avons une équipe, donc nous sommes 10 actuellement, de différentes personnes que vous verrez, je pense, il y aura une rotation
au niveau des différents lives, hein, en fonction des disponibilités de chacun. Mais voilà, on est une petite dizaine, et bah, notamment donc Jimmy, qui est plutôt responsable de la partie graphique, qui met sur ce point-là, et qui s'occupe beaucoup donc de guides de lecture que nous ajoutons au site régulièrement, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Et puis donc Simon qui s'occupe de la rédaction d'un webzine qu'on est en train de créer un peu dans les coulisses, qui met pas mal de temps à faire, hein. Ça demande beaucoup de travail. Donc là, voici pour nos rôles. Après, voilà, on a beaucoup de rédacteurs dans l'équipe, d'autres créateurs de contenu. Donc voilà, on travaille un peu dans l'ombre. Et on travaille notamment donc à créer du contenu sur Internet pour pouvoir aider de nouveaux lecteurs à mieux se retrouver dans la jungle des comics, parce que ça peut vraiment être assez compliqué de s'y retrouver quand on débarque dans ce vaste monde. Donc voilà. Et aussi, un des objectifs de cette association, c'est de créer des ateliers donc sur le terrain, auprès des libraires, mais aussi des bibliothécaires, des CDI aussi, pour du coup aussi former les libraires et bibliothécaires qui ne connaissent pas forcément tous les comics. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en bourlinguant pas mal en France, en allant à la rencontre de beaucoup de libraires et de bibliothécaires, et où j'ai entendu à peu près le même discours à chaque fois. Les comics, pourquoi pas, mais moi, bah, j'y connais pas grand-chose, et je n'ai pas forcément le temps de m'y intéresser. Donc, si, bah, en gros, si on vient pas me donner les infos pour gagner du temps, globalement, je peux pas trop en proposer. Donc, voilà, nous, on s'est dit, bon, bah, à ce compte-là, on a quelque chose à jouer à ce niveau-là. Donc, voilà. Un des objectifs de cet assaut, c'est donc d'aider les libraires et les bibliothécaires. Vu que c'est une première, il y a plein de petites problématiques, des petites questions de réglage qu'on ne connaissait pas jusque-là. Et tout arrive au même moment, donc c'est génial. C'est fantastique. Bah après, de toute façon, au pire, si vous voulez réécouter le début du live sans tous les problèmes, on proposera probablement, si tout fonctionne bien, un replay édité sur YouTube. Donc vous pourrez réécouter ça proprement par la suite, sans problème. Alors, bah du coup, Jimmy, du coup. Alors, pour la deuxième fois. Mon petit Jimmy, peux-tu répéter à l'identique ce que tu viens de dire? Pour la troisième fois, tu veux dire? Ouais, troisième oui, fois. Putain, voilà, oui, c'est vrai, là, je trois fois. La prochaine fois, je t'envoie pour faire le pitch, hein, tu vas être hyper, hyper OP. Remarque, maintenant, ouais, ça va être optimal. Ouais. Ouais. Et bien là, ça va être concis, clair et tout ça. Donc, du coup, je disais, sur la page d'accueil de Comics Culture Project, vous retrouvez quatre onglets. Le premier présentant les comics indés, le deuxième les comics Valiant, et le troisième les comics donc des Big Two, donc Marvel et DC. Le quatrième étant dédié au Comics Culture Project en tant que tel, et donc vous retrouverez des infos sur l'association et tout ce qui gravite autour. Donc sur cette page d'accueil, vous retrouverez le guide pour bien débuter les comics, en version PDF téléchargeable gratuitement ou en version imprimable. Ensuite, vous retrouverez une carte. La version imprimable. Alors, je répète, bon, là, on m'avait entendu normalement, mais voilà, je le répète, en très belle finition, un petit peu haut de gamme, un magazine de 50 pages. Un peu plus maintenant, j'en ai rajouté 2-3. Ok. Une carte interactive où sont référencés les meilleures librairies et médiathèques pour trouver du comics. Il y a quoi aussi? Hop, attends, je vais aller en faire un tour en même temps. Ouais, il y a le Comic Dex qui regroupe toutes les cartes que vous pouvez retrouver sur le site. C'est des cartes de personnages de licence, de Marvel et DC, de licences très connues comme Magic, Power Rangers ou Rick et Morty, ou d'univers complètement indépendants. Donc voilà, ça c'est vraiment pour
pour avoir des informations sur les personnages que vous croiserez dans les comics. Et ensuite, il y a un lien vers les portails, un des Valiant et Marvel et DC. Sur chacun des onglets, vous retrouverez un petit pitch, pareil, qui vous guidera un peu dans la découverte de ce que vous recherchez. Et en même temps, juste en dessous, vous retrouverez les trois dernières critiques qui s'apparentent à ces catégories. Et juste en dessous, vous avez toutes les critiques. Dans Comics Indé, on vous a regroupé tous les comics par genre et par univers, donc les univers les plus connus, mais aussi par éditeur. Ça, c'est quelque chose qui nous a tenu à cœur de mettre en avant les éditeurs en tant que tels. Et ensuite, ça c'est assez récent, vous pouvez retrouver les comics par auteur et par dessinateur. Donc c'est quelque chose qui est en chantier continuellement. Il manque beaucoup, bien sûr, il manque beaucoup d'éditeurs, enfin d'éditeurs, d'auteurs et de dessinateurs, mais on en rajoute au fur et à mesure. Alors là-dessus, de toute façon, je pense qu'on aura du mal à mettre tout le monde, hein, ça c'est clair, mais disons qu'au fur et à mesure qu'on va traiter par exemple un personnage, par exemple, je sais pas moi, admettons Batman, et ben on va rajouter forcément des auteurs en rapport avec... avec le personnage et des runs, et du coup on va créer en parallèle les fiches des auteurs en simultané, mais voilà, c'est quelque chose qui va prendre du temps, que ce soit même au niveau des guides, tout ça, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Hop, et du coup, tu veux qu'on parle de quoi ensuite? On a créé donc trois sections bien différentes, hein, comme on vous l'a expliqué, comme on vous l'a montré aussi avec les visuels. Donc il y a Indé, Valiant et Marvel DC. Et ensuite vous avez notre page qui reprend toutes les informations de l'association. Donc il y aura les mentions légales, il y aura le guide, il y aura une section dons, adhésion et aide, puisque alors si vous voulez aider l'association, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a une adhésion pure et simple via un don en fait, et du coup pendant un an vous êtes membre de l'association pour aider. C'est une adhésion qui est de 15€ pour l'année. On n'a pas voulu faire trop cher. Sinon, après, vous avez aussi la possibilité de faire un don, tout simple, sans forcément adhérer. C'est une possibilité. Alors, tous les montants sont possibles. On n'a pas mis de montant minimum ou autre. Hein. Tous les dons vont aider de toute façon l'association. Et puis après, il y a une autre façon de faire, c'est de rejoindre l'association pour aider l'association en créant du contenu. Nous, on considère que du coup, les personnes qui nous rejoignent pour créer du contenu sont membres d'honneur et donc participent à la vie de l'association autrement qu'en payant et en donnant du temps pour l'association. Pour créer du contenu. Donc voilà. Et vous pouvez aussi aider en diffusant donc notre site, partager à toutes les personnes possibles nos guides, nos critiques, parce qu'on a quand même pas mal de critiques hein, avec le temps. Alors ça, je l'ai pas indiqué, mais depuis la création d'un Indélébule, là à force, maintenant on est à plus de 400 critiques déjà. Donc ça commence à pas mal chiffrer. À savoir aussi, alors c'est une chose qui n'est pas encore intégrée au site, donc Jimmy ne pouvait pas vous en parler, mais il y a une page qui va bientôt apparaître qui vous permettra aussi de filtrer les comics en fonction de si ce sont des one-shots, si ce sont des séries. Alors après, il y aura d'autres moyens pour les séries de filtrer, donc vous aurez le choix entre les séries en cours, les séries qui ont été stoppées en cours de route, ou les séries terminées par exemple. Donc au moment de faire un achat, si vous regardez dans nos critiques, nous on classera toutes nos critiques comme ça, ce qui fait que s'il y a un titre qui vous intéresse mais que vous voyez que la série elle a été annulée en cours de route, bah vous n'allez peut-être pas vous engager là-dedans. Donc voilà, on a vraiment fait ça dans cet esprit de peut-être d'empêcher certaines personnes de se retrouver dans une série qui n'aura jamais de fin, parce que ça c'est quelque chose qu'on voit très souvent sur les réseaux, des gens qui disent « ouais mais je me suis lancé il n'y a pas longtemps, mais il est où l'épisode ?» Puis que d'un coup on lui dit « bah non, en fait, tu savais pas, il n'y en aura jamais d'autres. »
Ah ouais, j'aurais bien voulu le savoir avant. Et voilà, moi je suis personnellement déjà tombé plein de fois dans ce piège-là. Ça, de toute façon, tout le monde y passe à un moment donné, hein. Ça c'est quasi impossible d'y couper, hein. Mais voilà, nous, au fur et à mesure qu'on a des informations, on mettra à jour là-dessus, pour éviter à d'autres personnes de tomber dans le piège des séries annulées. Pareil, si quelqu'un a un budget un peu limité et veut faire rentrer un titre en se disant « Ouais, bah, je voudrais bien mettre un one-shot pas trop cher », vous aurez la possibilité de filtrer pour savoir si c'est des one-shots ou des séries. Et puis aussi, il y aura une possibilité de filtrer par rapport au prix avec voilà, vous aurez le choix entre... Alors, de mémoire, ce sera moins de 10€, et ensuite, vous aurez donc de 10 en 10. Vous aurez le choix, vous pourrez filtrer comme ça pour suivant le budget que vous voulez y mettre. Donc voilà, vous aurez ça prochainement. On est en train d'implémenter ce qu'il faut sur le site pour ensuite le permettre. Ça prend un peu de temps, hein, je vous le cache pas, parce qu'il y a aussi des petites choses visuelles à rajouter sur toutes les critiques. Il y en a plus de 400, comme je l'ai dit, donc faut le faire manuellement. Malheureusement, on ne peut pas le faire d'un bloc. Donc ça prend beaucoup de temps, mais voilà, d'ici quelques semaines, ça devrait arriver et vous pourrez trier comme ça. Voilà pour le fonctionnement du site. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez quelque chose à rajouter, en tout cas, Simon, Jimmy. Là, je pense qu'on en parlera plus tard, mais du coup la partie guide, les guides de personnages. On peut en parler maintenant. Ok. Donc du coup tu pourras pas montrer en même temps. Je sais pas si moi je fais un partage de connexion, est-ce que ça marcherait bien? Partage de connexion, je sais pas, mais partage d'écran peut-être. Ouais. c'est vrai. Enfin, j'ai des réflexes de sniper, j'y peux rien, je prenais pas pour vous. On a fait pour le moment 4 personnages pour lesquels vous pouvez retrouver donc un petit pitch, quelques informations et surtout un guide de lecture donc qui peut être agrandi, téléchargé, que vous pouvez ensuite garder, qui sera normalement régulièrement mis à jour avec les fameuses cartes de personnages dont on parlait tout à l'heure. Et des informations sur les auteurs et les artistes, mais du coup qui sont plus comme ça maintenant. Ça va être modifié pour faire des pages à part entière. Voilà. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter là-dessus. Non, là-dessus, non. Donc voilà, donc comme je disais, il y a quelques personnages d'ici pour le moment. On aura plus dans quelques temps et on va faire du Marvel également. Oui. Voilà. Ok. Hop, et ben c'est bon pour toi. Yes. Et ben je vais revenir du coup hop à une présentation. Voilà. C'est un peu comme je disais tout à l'heure, un petit peu de façon artisanale. Je suis désolé. Mais on trouvera moyen de faire plus proprement la prochaine fois. J'en profite donc que des vidéos ou des lives de prévu pour parler de comics. Oui, il n'y a pas de problème. T'inquiète pas, là c'est vraiment, c'est comme je l'expliquais au tout début du live, c'est vraiment un live là pour l'instant où là déjà au début on présente un peu le principe de l'assaut, tout ça, et là on va déjà continuer là sur le premier sujet hors association, mais après là on va parler comics tout à l'heure purement et simplement. Donc là pour tout vous dire, le prochain sujet, donc on va parler des podcasts Panini et Urban, la guerre des podcasts, et ensuite on va parler du DCU et du MCU pour parler un peu de où ils en sont, et après il y aura nos reco comics à la fin du live. Et comme je le disais là, c'est vraiment une organisation spécifique à ce soir, vu que c'est le premier, on a voulu un peu présenter l'association en premier. Forcément il n'y aura pas ça les prochaines fois, et comme je le disais aussi tout à l'heure, on est parti sur un live tous les mois, donc ce sera idéalement début de chaque mois, ce sera le dimanche soir, toujours à peu près à ces horaires là 20h-22h, avec un petit dépassement si nécessaire. Là je pense qu'on dépasse sera vu les problèmes qu'on a eu, mais voilà. Donc bon bah voilà pour
pour tout ce qui était en rapport avec l'association et son fonctionnement et le site, j'en profite aussi, normalement, alors ça n'a pas été annoncé sur les réseaux, ça le sera prochainement, petite exclusivité, je vais vous montrer quelque chose qu'on a fabriqué pour faire la promotion de l'association et du site. Ce sont des marque-pages, donc designés par Monsieur Jimmy ici présent, qui a fait le travail, donc qui représente les trois couleurs de notre asso, donc le bleu, le jaune, le rouge. Et donc du coup, il y en a six différents. Voilà. Ah, il y a du Dan Mora sur eux. Batman par Dan Mora. Voilà. Bon. Donc voilà pour les marque-pages en question, vous pourrez retrouver à différents endroits. Et voilà pour la partie arrière, donc avec un QR code qui mène directement sur le site. Une partie de ces marque-pages sont faits en partenariat avec Excalibur Comics. Donc voilà, c'est une petite exclusivité que je vous présente ce soir. Ce sera bientôt annoncé sur les réseaux et on pourra distribuer un peu partout. Une exclu Twitch, ouais. alors, pas pour les marque-pages, hein, c'est juste la présentation. les marque-pages que vous pouvez télécharger sur Twitch et les mettre... Voilà, faites une capture d'écran au moment où je le passe, et après, imprimez-le chez vous. Et après, on fait des NFT. allez, et voilà, et le début de la richesse pour l'assaut, et après, on rachète Delcourt, on rachète Urban, et on fait des crossovers de la mort. Bon, quitte à racheter un éditeur, autant racheter Panini. Hein. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire avec leur catalogue. Il y a des choses à faire. Ah, on verra. Si les NFT marchent bien, on rachètera tout le monde. Allez. on va enchaîner. Du coup, je vous propose de continuer pour dérouler le programme. Justement, on parlait de Panini et d'Urban. Et on va parler, du coup, de leur podcast. Alors, niveau podcast, moi je suis un gros consommateur de podcasts, j'en écoute un peu tout le temps. On va pas se cacher que pour l'instant, on n'avait pas forcément beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Il y avait essentiellement First Print par exemple qui diffusait beaucoup, et après on avait c'est pas la peine de parler au passé, ils diffusent encore beaucoup. Oui non, mais pour dire que voilà, pour l'instant on avait essentiellement, on avait Comics Peak et on avait First Print qui était un peu les seuls podcasts très réguliers qu'on pouvait retrouver, avec Comics Stories je crois, mais qui fait surtout de la VO. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'éditeur qui proposait ça dans le catalogue podcast. Et alors, il y avait eu l'année dernière une série de podcasts avec First Print et Urban, où de mémoire, tous les mois, ils présentaient un auteur, je crois, deux auteurs, je ne sais plus. Et, en fait, le contexte, c'est que l'année dernière, Urban a éditorialisé chaque mois, ils avaient un auteur qu'ils mettaient en avant, dans lequel ils rééditaient des titres qu'ils avaient déjà chez eux, et ils mettaient en avant des nouveautés. Le principe du partenariat avec First Print était, chaque mois, l'auteur qui était mis en avant ce mois-là était interviewé par First Print. Voilà, en gros, c'était ça. Et bizarrement, le mois L'Amour, ils n'ont pas interviewé L'Amour. Ouais, bah après, c'est le seul qui manque à leur catalogue. Après, Alan Moore, on connaît son désamour pour les comics depuis quelques... Il revient là. Comment ? Il y revient là, il sort, a été annoncé, je crois, chez Dark Horse. L'adaptation d'un truc de magie, Snake and Ladder, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, il revient aux comics alors qu'il avait dit que plus jamais il y touchera. D'accord, c'était pas le sujet. Je t'avoue que je n'avais pas l'info. Alors je vois dans le chat, oui, effectivement, il y a les GG Comics et Comics Podcast. Forcément, quand on veut citer du monde, on a tendance à en oublier. Donc voilà. Mais en tout cas, il n'y avait pas d'éditeur pour l'instant. Et donc du coup, justement, First Print faisait donc cette opération avec Urban.
Et comme pour cette année, ils ont Urban a décidé de changer de façon de fonctionner et de ne plus présenter un auteur par mois, mais plutôt un genre. Du coup, il y a eu un petit changement à ce niveau-là, et ce n'est plus First Print qui du coup s'occupe des podcasts, mais c'est eux-mêmes. Mais bon, il y a toujours Arnaud Kikou qui s'occupe un peu de préparer un peu tout ça derrière. Mais en tout cas, ce n'est plus directement First Print qui propose ces podcasts. Alors, je suis en train d'essayer de me rappeler le nom du coup de l'animateur qu'ils ont choisi. Frédéric Sigrist. Voilà, Frédéric Sigrist, exactement. Donc c'est Frédéric Sigrist qui est sur France Inter, je crois. Dans Blockbuster, qui s'occupe de l'animation, qui anime très très bien, je trouve, le nouveau podcast. Donc c'est Crossover, je crois qu'il s'appelle, ce podcast. Et donc du coup, il y a une guéguerre maintenant, puisque Panini, dans la foulée, a répondu à l'appel du podcast. Et bizarrement, le même mois, je crois même 15 jours après l'annonce du nouveau podcast d'Urban, a annoncé que eux aussi prévoyaient un podcast par rapport à leur catalogue, alors que Panini, niveau communication, on va pas se cacher que jusque là c'était pas non plus la panacée, à part présenter les futures sorties sur les réseaux sociaux, c'était assez limité, et dès qu'il fallait leur demander d'intervenir dans un podcast, ne serait-ce qu'en interview en général, c'était assez compliqué. Pour avoir discuté avec Arnaud Kikou, je sais que ça fait plusieurs années qu'ils essayaient d'avoir quelqu'un de chez Panini, mais c'était littéralement impossible. Et là, du coup, voilà, ils sortent du silence pour nous proposer un podcast. Donc, on va commencer. Je ne sais pas si vous avez pu écouter et comparer ces deux podcasts. Très, très vite fait, parce que j'ai pas trop eu le temps. Mais pour revenir sur la stratégie Panini, je ne sais pas si c'est une réponse à l'annonce d'Urban, parce que 15 jours, c'est quand même très très court pour se retourner, pour organiser des trucs. Mais en tout cas, il y a clairement un changement de stratégie dans la communication de Panini. On regarde, justement, tu parlais d'Arnaud Kikou et de First Print, quand tu disais que les gars, ils étaient impossibles d'avoir des gens de chez Panini. Aujourd'hui, cette année, First Print a eu des gens de Panini. Pas longtemps avant l'annonce du podcast, et j'ai l'impression que Panini se met en fait au diapason de la com des autres éditeurs, notamment en ayant une présence qui était incarnée par le chef de rédaction. Tu regardes, quand on est un peu dans le milieu et qu'on parle et qu'on suit l'actualité, qui dirige Urban d'un point de vue éditorial ? Tout le monde peut te répondre, François Asquat. Qui dirige iComics ? Si tu sais pas que c'est Sullivan, ouais. C'est t'as jamais foutu les pieds sur un réseau comics. Bliss, on connaît tous Florent de Gletane. Enfin, les seuls dont on ne pouvait pas citer une seule personne à la rédaction, c'était Panini. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus le cas. J'ai l'impression que Panini a décidé de s'incarner en France. De s'incarner dans le sens vraiment d'avoir un porte-parole en termes de com que le rôle que tient François. Pareil, Delcourt, Thierry Mornay. Enfin, Thierry Mornay, tout le monde le connaît, tu vois. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de rattraper en retard. Un podcast, ça coûte pas grand chose à faire. Hein, le matos, la plupart, avec depuis le Covid, on a tous un micro et on a tous Zoom ou Discord. Ça coûte pas grand chose à faire. Et en plus, il y a un marché du podcast qui a explosé ces dernières années. Alors que ça existe depuis 15 ans, le podcast. Hein. Oui. Depuis 3-4 ans, tout le monde a un podcast. Et du coup, j'ai l'impression. Ils ont juste eu la même démarche qui était de dire on va s'incarner, on va communiquer directement, on va plus forcément passer par des canaux comme First Print et compagnie, parce que on ne maîtrise pas la com, on ne maîtrise pas ce qu'ils pensent, on ne maîtrise pas leur façon de. Alors que là, sur un podcast maison, ils le font. Alors Urban, ils ont une saison zéro, on va dire, puisqu'ils ont répété sur l'année dernière avec First Print, ouais. Et puis embaucher un vrai animateur. Ce qui n'est pas forcément le cas de Panini. J'ai pas de mal du podcast Panini, je ne serais pas capable de faire ce qu'ils font, hein. C'est pas la question. Mais quand tu as Frédéric Sigrist, qui est un mec qui fait des one-man shows, très bien d'ailleurs le one-man show de Frédéric, et
mais qui derrière anime une émission hebdomadaire sur France Inter, c'est sûr que l'animation elle est quand même vachement plus carrée, vachement plus propre que, pour reprendre l'expression de First Print, de couillon de 30 ans sur, assis sur un canapé qui parle BD, quoi. Ouais, c'est voilà. Clair. Donc moi c'est mon avis sur cette guerre du podcast. Parce que je pense que c'est des gens qui se connaissent et qui s'entendent, donc oui. Pas vraiment de guerre. Oui, voilà. C'était une façon de. Non, mais on a tous tendance à organiser, à dire ouais, c'est la guerre des consoles, c'est des machins, qui parlent, ça n'existe pas. Voilà. Ok, Jimmy. Je pense pas qu'il y en ait un meilleur que l'autre, si ce n'est, comme a dit. Qu'il y a une différence de moyens mis en place. Mais du coup, ce que je peux remarquer et ce que je trouve très bien, c'est qu'il y a une vraie DA et une vraie envie de vulgariser un peu le comics du côté d'Urban. Mmh. Et où il présente vraiment le comics dans sa globalité et de manière beaucoup plus complète. Que simplement le catalogue des 15 prochains jours quoi. Donc limite je dirais qu'ils ont une volonté un peu qui se rapproche de la nôtre d'amener le nouveau lecteur vers le comics et un peu ouais vers la vulgarisation quoi. Donc du coup ouais, c'est en ça que personnellement je me reconnais plus dans le podcast d'Urban. Et comme le dit, vient de l'envoyer notre cher modérateur, l'écoute du podcast de Turban est beaucoup plus fluide que celle de... et que la qualité de son est meilleure que celle de chez Panini. Oui. Ah, mais de toute façon, il y a une vraie différence de moyens, ça c'est clair. C'est même pas discutable en fait. Après, la question que je me pose, c'est. Je pense que Panini, ça a enregistré un peu en. Alors, soit ils le font chacun de leur côté, un peu comme nous, là on fait chacun chez nous. Soit ils font ça un peu de leur côté avec les moyens du bord. Je sais pas si par contre, du côté d'Urban, par exemple, ils profitent. Des installations de France Inter vu que Frédéric y travaille, est-ce que du coup il n'y a pas ça qui joue parce que la différence est quand même assez importante hein. Le son est super important mais je ne suis pas sûr que France Inter laisse utiliser ses studios comme ça aussi facilement parce que donc, okay, Urban appartient à un groupe énorme puisque c'est pas un secret, tout le monde, c'est connu. Le groupe Urban appartient au groupe qui édite les cartes Michelin. Et Dargo de façon générale. Donc ils ont du pognon à plus savoir qu'en foutre. Mais je suis pas sûr que la structure leur laisse le budget pour louer un studio à France Inter. Parce que si Monsieur France Inter est loué. À mon avis, il n'est pas loué 100 balles l'heure. On doit être sur des chiffres phénoménaux. Après, peut-être qu'il loue un autre studio à part. Enfin, on ne sait pas. Hein. Ça, mais par contre, c'est possible. Je ne serais pas étonné que ce soit le cas, dans le sens où on sent vraiment une différence de qualité en termes de son entre les deux enregistrements. Et je trouve même une différence de qualité sonore entre les podcasts de First Print, qui quand même ont une certaine qualité sonore, et ceux de... d'Urban là. Je trouve qu'il y a quand même une différence aussi. Donc, Après, je sais qu'à Paris, il y a des lieux qui se louent pour enregistrer du podcast. Hein, ouais. Pour écouter d'autres podcasts qui abordent frontalement le sujet. Sachant que ça se fait à Paris, je suis quasiment sûr qu'à minima, il y a un studio loué, à mon avis, pour faire les podcasts. Ça me paraît beaucoup plus réalisable que louer un studio à France Inter. Parce qu'à mon avis, la maison de la radio, je suis déjà pas sûr qu'ils aient des studios libres tout au long de la journée. Et puis, ça doit être un pognon de dingue. Moi, je pensais France Inter dans le sens où je me suis dit peut-être que, je sais pas, ils enregistrent le podcast à la suite de l'antenne de Frédéric Sigrist et que du coup, ils ont peut-être un studio facilement atteignable et que c'est un arrangement qui est fait disant bon, bah ok, on sait que t'enregistres ça, on te prête le studio et terminé quoi. Enfin, c'est fait de. Ça peut être fait en intelligence comme ça, hein, ou alors ils louent quelque chose. Enfin, en tout cas, il y a du matériel, il y a clairement plus de matériel, ça c'est sûr. Peut-être, je ne sais pas. Là, je ne vais pas rentrer dans des considérations sur lesquelles je n'ai aucune information, mais ça me paraît,
On voit pas Delphine Arnaud. Non, c'est pas Delphine Arnaud, je sais plus comment elle s'appelle, la patronne de France Inter. Je la vois pas laisser 4 dicos comme nous, avec pas beaucoup de cheveux, à lunettes. Je la vois pas les laisser aussi facilement. Mais je me trompe peut-être, j'ai pas d'infos. Si jamais un spectateur de l'émission ou un membre du Discord a des infos, je suis preneur, ça m'intéresse. Ouais, ça serait intéressant à savoir. Alors pour moi, de mon côté, moi personnellement, effectivement, je préfère aussi, en termes de qualité, le podcast d'Urban, crossover avec Frédéric Sigrist, déjà en termes de qualité sonore, et puis effectivement, on sent qu'il y a une vraie volonté de présenter les comics et de les rendre accessibles à tout le monde, et... C'est un peu quelque chose que je craignais quand il y a eu l'annonce, de me dire j'espère que ce sera pas inaccessible pour les nouveaux lecteurs, ça fera pas peur, ça fera pas trop puriste, et finalement non, c'est suffisamment expliqué, et quelqu'un qui ne connaît absolument pas va arriver dessus, et il n'y aura rien à savoir avant, donc ça rendra tout à fait les comics accessibles. Là où, en fait, à la différence, alors c'est aussi une autre façon de présenter les comics, et moi je suis pas contre, hein, parce que ça m'a permis de trouver certaines choses, mais par exemple chez Panini, eux, ils sont plus dans le décryptage de catalogues. Ils vont prendre des sorties de leur catalogue, des auteurs réguliers, et puis ils vont traiter du titre en question et de l'auteur en question en décryptant, en donnant leur avis, ce qui va permettre après aux auditeurs de se dire bah tiens, ça peut m'intéresser, je l'achèterai le mois prochain. Disons que c'est deux approches différentes. Il y en a un, c'est plus de la critique en gros et de la présentation de catalogue, quand de l'autre c'est plus de la vulgarisation et de l'explication du monde des comics. Ils présentent aussi des titres de chez eux, mais ça fait moins catalogue audio que chez Panini par exemple, je trouve. Bah, après, ça fait partie d'une démarche chez Urban qui traîne depuis un moment. Oui. Tu vois leur catalogue papier, c'est classé par genre. Les libraires ont des intercalaires par genre. Oui, j'ai une invasion de chat qui vient taper l'incruste. Donc, avec des intercalaires où ça classe par genre. Et donc, il y a super-héros, il y a polar, il y a fantasy. Il y a une vraie volonté de la part de François Hercouët, en tout cas c'est lui qui l'incarne, c'est lui qu'on entend, et c'est lui qui est vocal sur les réseaux et sur les podcasts, de rendre l'objet comics accessible. Bah, même à travers les guides qu'ils font déjà depuis une dizaine d'années, oui, voilà. Pareil, qui distribuent aux libraires et tout ça. Là où Panini publie... Et point barre, quoi. Enfin, il n'y a aucun effort de la part de Panini d'éditorialiser leur indé. On pourrait faire même des sous-genres polar au sein du catalogue Marvel. Enfin, je veux dire, Moon Knight, c'est pas Danger Forever, qui n'est pas X-Men, qui n'est pas ce genre. On pourrait facilement. C'est pas quelque chose qu'ils font. Alors, pourquoi ils ne le font pas, j'en sais rien. Et je ne vais pas préjuger de leur... Je ne vais pas préjuger, mais c'est vrai que Panini est une entité compliquée. Et je pense que les gars, ils n'ont pas la liberté. Non, ils n'ont aucune liberté, quasiment. Le chat peut couper le micro à tout moment. Le truc est sensible, et il est dans le coin où il peut facilement éteindre le micro, donc c'est quand il en a marre que je parle. Ok. Ouais. Et puis pour revenir sur Urban, c'est aussi les seuls à indiquer le genre du titre à l'arrière de leur bouquin, par exemple. Ouais. C'est les seuls, hein. Donc ça peut paraître être un détail, en plus c'est pas forcément très visible, mais en tout cas c'est présent et ça peut aider pas mal de monde. Moi je voulais revenir aussi, justement tu reparlais de François Hercouët, je voulais revenir sur ce que tu disais sur Panini et leur changement de stratégie. Moi, par contre, je suis pas forcément convaincu qu'il y a un vrai changement de stratégie au point de vouloir personnifier Panini Comics en France, dans le sens où, pour l'instant, c'est un one-shot et qu'on ne sait pas si ce sera refait. Moi, ce que j'attends de voir, c'est est-ce qu'on le réentendra régulièrement, parce que par exemple Sullivan Rouault, clairement il personnifie dans le sens où il fait ses vidéos, il est beaucoup sur les réseaux, on le voit beaucoup. On va voir pareil chez 404,
avec Nicolas Beaujuin. Chez Delcourt, du coup, ça va plutôt être sur Facebook, par contre, donc c'est pas sur le même réseau, mais il y a aussi une présence très régulière, parce que Thierry Mornay présente beaucoup de titres en disant que bah, il n'y a pas que les super-héros, il y a aussi ça, voilà, en gros. Lui, il est bon joueur, à l'instar de François Hercouët, d'ailleurs, c'est lui qui a formé François, donc c'est, les chats font pas des chats, c'est qu'il présente pas forcément que son catalogue. Oui, en plus, oui, il présente d'autres titres, ouais, c'est vrai. Et donc du coup voilà, et François Hercouët, lui, on l'entend régulièrement dans des podcasts, mais il a aussi, alors je sais plus sur quelle plateforme c'est, mais il a Substack, ouais, sur Substack. Il a sa newsletter sur Substack. Voilà, il a sa newsletter. Donc en fait, c'est à chaque fois, c'est des directeurs d'édition qui sont très présents sur différents réseaux sociaux et qu'on entend beaucoup, ou alors qu'on vous lit beaucoup à l'écrit. Là où pour l'instant, je n'ai déjà plus le nom du directeur d'édition de Panini, mais pour l'instant, on l'a juste entendu une fois à l'audio dans le podcast, et c'est tout. Et il n'y a pas d'autres, moyens d'avoir de contact avec lui. Et moi, ce que j'attends de voir, c'est est-ce qu'il y aura quelque chose de mis en place à ce niveau-là, ou est-ce qu'on le verra plus régulièrement. Parce que pareil, hein, tous ceux qu'on a cités avant, on les voit régulièrement dans différents podcasts quand ils sont invités, mais aussi sur des chaînes YouTube de youtubeurs qui les invitent régulièrement pour faire des lives, pour parler du catalogue, tout ça. On les voit très régulièrement, ils sont faciles à atteindre, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on verra du coup le responsable de Panini faire ça à l'avenir? J'attends de le voir. Pour l'instant, effectivement, il y a un pas de fait, mais pour l'instant, moi, il n'y a pas encore assez de matière pour que je puisse, moi, dire, en tout cas, de mon côté, ouais, ok. Je crois qu'on entend le chat qui ronronne dans le micro, désolé. C'est pas grave, ça fera de la ronron thérapie. ouais. Voilà, donc juste je voulais revenir là-dessus, parce que pour moi, pour l'instant, c'est pas encore avéré à 100% qu'il y a une vraie volonté de personnifier. En tout cas, il y a eu une nouvelle communication, c'est sûr. Maintenant, la personnification, je suis pas convaincu qu'ils aillent jusqu'au bout. Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils testent des choses, en fait. Il lance plein de trucs. Alors, je suis désolé, il y a le chat qui bouge la vie. mais il est beaucoup plus joli que moi, donc on va dire que vous y gagnez un change. Ouais, il lance des ballons, il teste des trucs, attention. Il a coupé le micro. Il a coupé le micro, c'est pas lui. Donc du coup, ouais, j'ai l'impression qu'il teste des choses. Au moins, on peut pas leur enlever ça, oui. Il teste. Bah, avant, il testait pas, donc c'est déjà une grosse avancée en soi. Après, là, on n'est plus sur l'aspect podcast, mais on peut quand même le mettre à... on peut quand même parler de pas mal de changements chez eux, puisque depuis le moment où il est arrivé, il y a eu déjà pas mal de changements, puisqu'on se rappelle quand même d'une époque pas si lointaine où il n'y avait jamais aucune réimpression chez Panini, et que dès que quelque chose était en rupture, on l'avait dans le baba, et on n'avait plus qu'à espérer trouver d'occasions à pas trop cher, parce qu'en général, j'ai des infos spéculation... sur la politique de réédition de Panini à l'époque. Je sais pas si c'est lui qui a imposé un nouveau truc, mais en tout cas, avant, Panini France n'avait le droit de rééditer des albums que s'ils étaient épuisés dans 3 pays d'Europe. Ah oui, je crois qu'il l'a expliqué d'ailleurs dans le podcast. Ah, ça, je sais pas, mais c'était un nom qui m'avait expliqué ça. Maintenant que t'en parles, oui, effectivement, je me rappelle de ça. C'est ce qu'il avait expliqué, effectivement, mais que bah, apparemment, lui a mis un peu la pression pour dire non, c'est juste pas possible de devoir attendre que dans d'autres pays ce soit en rupture. Il faut que nous, on puisse avoir un catalogue qui soit disponible et que qu'on réimprime, alors pas forcément la totalité, parce que forcément, eux, ils sortent... J'avais vu dernièrement les chiffres, mais je crois qu'à eux seuls, Panini publie 50% de ce qui sort en comics en France, comme 50% à eux seuls. Et tout le reste, c'est tous les autres éditeurs, donc c'est pharaonique. Voilà. Donc ils peuvent pas tout réimprimer tout le temps. Comment ? Est-ce que tout est bon ? Ça, c'est un autre débat. Ah bah non, mais là, après, ouais. on est sur un tout autre sujet, hein, forcément. Ils eux-mêmes le disent, tout ce qui sort ne leur plaît pas personnellement, forcément, mais que bah, y a des choses qui sortent en VO et ils doivent... ils ont un contrat, ils sont obligés de le respecter. C'est ça. Alors il y a beaucoup de pertes. Ils ont un contrat cadre qui fait qu'ils doivent probablement être obligés de publier à peu près tout ce que Marvel sort. Et puis en plus, on va être honnête, le public comics achète majoritairement du Marvel, et
nous, on va pouvoir critiquer les choses, le Avenger d'Aaron, le futur événement Blood End, probablement que nous, on va le détester, qu'on va pas l'apprécier, machin. Mais quand tu vois les chiffres de vente, on n'est pas la majorité, c'est pas nous, hein, qui faisons... moi, si on m'écoutait, moi, ce serait que de l'indé, hein, le top de vente. Mais du coup, ils aiment pas ça, probablement comme nous, parce qu'ils ont une habitude de lecture et d'une exigence de lecture. Mais en vrai, la majorité du public, c'est pas ce qu'ils lisent. C'est clair. Moi, je le vois personnellement, historiquement, je suis plus un lecteur Marvel, c'est comme ça que j'ai commencé les comics. Je lisais à la base quasiment que ça, et puis quand le MCU a débarqué avec Iron Man, j'ai été un des premiers clients, j'ai tout de suite adhéré, et j'ai suivi, j'étais un gros fan du MCU, moins maintenant parce qu'il y a quand même niveau qualité, on en reparlera juste après, voilà, c'est le sujet d'après, mais on en reparlera, niveau qualité ça a bien baissé, et moi du coup personnellement j'ai eu une grosse phase où j'ai arrêté Marvel pour lire de l'indé et du Valiant. Maintenant Valiant c'est un peu la cata, enfin c'est en train de redémarrer, on va voir ce qui se passe, mais du coup maintenant je me suis un peu plus remis au Big Two parce qu'on en traite aussi sur le site et que pendant un long moment c'était pas le cas, et bah du coup moi maintenant si je veux lire du Marvel, bah, je suis bien embêté parce que je trouve rien qui me plaît vraiment, et je lis maintenant quand je parle vraiment purement super-héros, parce que ça c'est pas la majorité de ce que je lis non plus, mais je lis plus de DC Comics qu'avant, que de Marvel, alors qu'avant je ne lisais mais vraiment rien en DC Comics parce que je n'ai jamais vraiment adhéré à cet univers, et là maintenant bah, il n'y a quasiment que chez DC que je trouve mon bonheur. Donc ça déjà je trouve que c'est parlant, parce que moi je suis un pur Marvel à la base, moi j'aime les personnages, j'aime l'univers, j'ai toujours adhéré à cet univers, et j'ai vraiment toujours eu du mal à me lancer dans DC, et maintenant bah, si je veux me mettre du super-héros sous la dent, c'est chez DC que je suis obligé d'aller. Après c'est ça. Vas-y. Non, t'as pas parlé depuis un moment. J'allais dire, la politique de DC elle a bien changé aussi, et ils sont bien ouverts aussi aux nouveaux lecteurs, je trouve récemment, avec des récits globalement beaucoup plus accessibles. Alors le DC Black Label elle a beaucoup aidé, ça c'est sûr. Carrément. Notre cher modérateur m'envoie un message me disant DC est plus quali niveau continuité. Je suis pas aussi catégorique que ça. La continuité a toujours été un problème chez DC parce que ça, et on en reparlera quand on parlera aussi cinéma, au point que c'est pas dans la culture d'entreprise. Enfin, je veux dire, est-ce que chez Marvel on aurait eu une mini-série d'introduction d'un crossover où le même personnage meurt 3 fois? Rappelez-vous Final Crisis et la mini-série Countdown où Orion meurt 3 fois dans la même série, parce que les mecs sont même pas capables de communiquer entre eux. Ça, c'est moche. Rappelez-vous aussi sur Final Crisis, c'est la moitié des super-héros d'ici dans Final Crisis ne connaissent pas les New Gods. Il me dit, je parle de la continuité actuelle. Oui, c'est vrai, mais ça reste quand même... culturellement, depuis Infinite... Alors, depuis Infinite, j'ai pas lu grand-chose. Je me remets à DC depuis Dawn of DC Comics, où j'ai quasiment rien lu chez Infinite. Moi, les New 52 m'ont cassé les pattes et ont fait que j'ai pas lu grand chose. Parce que je suis des séries, j'y essaye, pour pas le cacher, entre autres, et qui ont été sabrées avec les New 52. Et bref, pour revenir sur le sujet des podcasts et de. Parce que c'est quand même la base, on est là-dessus. Oui, parce que. Au fond, 3 fans de comics quand ils discutent, ils discutent de comics. Ouais, les podcasts, c'est un fort outil de communication et de promotion, ça c'est une certitude. C'est une certitude aussi que, étant plus dans la communication depuis plus longtemps, Urban s'est donné les moyens d'entrée de jeu de faire ça correctement. Et je pense que c'était une saison zéro, en fait, l'expérience avec First Print et le podcast mensuel d'interviews d'auteurs. D'ailleurs, c'est pas un hasard, ils ont tous été re-uploadés sur la page de Crossover. J'ai vu, ouais. Donc si vous voulez les écouter et que vous détestez First Print, vous n'êtes pas obligé de leur donner des écoutes. Vous pouvez passer directement sur Crossover.
Je dis ça, il doit y avoir des gens qui détestent Force Print. Hein. Moi, ça je les écoute, je les écoute à chaque fois. Pas toujours d'accord avec eux. Mais au moins, ils sont. On ne peut pas leur reprocher une certaine intégrité rédactionnelle. Mais tout ça pour dire que. Oui, et puis bon, ils sont embauchés un vrai présentateur. Ah, bah ça fait la grosse différence. Hein. Ah, oui, voilà. Donc. Moi, de mon point de vue, c'est quand même assez difficile de lutter face à Frédéric Sirist. Quand t'as quelqu'un en face qui est pas forcément un gros habitué ni de la radio ni du podcast, c'est difficile niveau qualité d'animation de lutter de toute façon. Donc, mais après ils ont quand même, je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas heureusement pour eux, les deux podcasts sont pas strictement sur le même créneau, dans le sens où ils traitent pas forcément de la même manière, donc il y a pas une comparaison directe qui puisse vraiment être faite à 100%. Entre les deux, heureusement, parce que sinon là ça aurait fait très mal, mais. Faut qu'on meurt catalogue. Oui. Oui, clairement. Voilà, c'est pas. Ils s'affrontent pas. Ils s'affrontent pas frontalement, mais ils sont complémentaires sur plein de choses. Après, je pense que le public qui va lire, qui va claquer son budget mensuel en Marvel pur, ne trouvera aucun intérêt au podcast d'Urban. Là où les gens qui veulent découvrir, qui veulent s'ouvrir à de l'indé, alors Panini fait de l'indé depuis quelques années. Panini se réinvestit dans l'indé. Je rappelle qu'on a eu, je sais pas comment ça, on aurait pu avoir autrement Monkey Meat de Johnny Ba, j'ai adoré Monkey Meat, c'était vachement bien. Ou Made in Korea, ça s'appelait Made in Korea, ceux qui sont sortis l'année dernière, ouais, sur les robots, qui était très bien aussi. Mais bizarrement, c'est des très mauvaises ventes chez Panini. Je pense que le podcast, en fait, ils connaissent leur cible aussi. Ils connaissent la cible, ils connaissent les gens qui vont écouter leur podcast. Et que globalement, ces gens-là, c'est des gens qui vont consommer du Dark Web, qui vont consommer du Blood Hunt, ou je sais plus comment s'appelle l'event d'Avengers qui doit arriver bientôt en VF. C'est Jason Aaron, Avenger Forever. Bon, ouais. C'est cool. Enfin, c'était pas très bon, hein. Avengers, c'était pas... Oui. Darren, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Mais clairement pas ce qu'il a fait de mieux. Bon, bref, je pense que c'est des podcasts qui sont aussi adaptés au public qui vise. Oui. Après, je voulais revenir aussi sur ce que tu disais par rapport au fait qu'ils ont réinvesti les comics indés. Alors, je trouve qu'il y a eu plusieurs vagues. Il y a eu un moment donné où, effectivement, ils ont pris beaucoup de comics indés, notamment quand ils ont eu le deal avec TKO, où ils ont publié leurs 3 ou 4 premiers titres. Enfin, ils ont même publié, je crois, il y en a eu 6 en tout et pour tout. Mais on va dire que les 3 premiers sont vraiment ceux qui ont le plus fait parler et attiré l'attention. Mais depuis, il y a eu un gros moment où il y avait strictement plus rien. Et là, maintenant, j'ai l'impression que plutôt que de faire des gros deals comme TKO, ce qu'on aurait pu craindre aussi avec Bad ID, on en parlera tout à l'heure, parce qu'on va parler de Bad ID ce soir, mais on aurait pu craindre que Panini se dise « Oh, bah, ça n'a pas marché avec TKO, on va essayer de se mettre sur Bad ID ». Ça aurait pu être une crainte. Moi, j'aurais vraiment eu peur, parce que moi, je voulais vraiment que ça vienne chez Bliss, parce que c'est les mêmes équipes créatives. Enfin, bref... On aurait pu craindre ça. Ça aurait été ailleurs que chez Bliss en réalité. Ça aurait pu. Ça aurait tellement fonctionné à l'affect. Je crois qu'Urban Urban a tenté, hein, de ce que j'ai entendu. En tout cas, clairement, j'en avais parlé avec Thierry Mornier, lui a tenté. Ouais, Lui a tenté, mais les mecs ne m'ont même jamais répondu, en fait. Il m'a dit, j'ai envoyé un mail, ils n'ont jamais répondu. D'accord. Parce que je pense que Dinesh. J'ai l'impression que Dinesh est un mec qui fonctionne énormément à l'affect. J'ai l'impression aussi. Il a monté Bad ID, il a repris les mêmes créatifs, il a repris les mêmes admins. Il a pris tout le monde chez Valiant. Voilà. Donc bon, je ne sais pas si ça aurait pu arriver chez Bad ID. Après, il y a des choses qu'on ne sait pas. Oui. On ne sait pas, Panini France fait partie d'un groupe européen, Panini Europe. Ils ont probablement des deals au niveau européen. Ils ont aussi probablement... des exigences de résultats. Oui, bah ça, par contre, en termes de résultats, oui. Après, en termes de deal, par exemple, faut quand même rappeler que, par exemple, Panini en Espagne et en Italie publie aussi DC Comics, comme en France fut un temps, mais maintenant, c'est chez nous, ça a changé. Donc, il y a probablement des deals européens, mais je pense quand même que chaque pays a un peu aussi pas les coups des larges, parce que bah, ils n'ont pas forcément le choix de ce qu'ils
peuvent faire, mais en termes de contrat en tout cas, je pense qu'ils ont plus de capacité à faire des choses dans leur coin que fut un temps. Et là, pour l'instant, moi, ce que je vois chez Panini, c'est surtout, pour revenir là-dessus, c'est surtout que maintenant, j'ai l'impression qu'ils y vont un petit peu plus au compte-goutte. Plutôt que de faire des gros deals où ils récupèrent tout un catalogue, ils vont plus au compte-goutte. Là, par exemple, je vais en parler tout à l'heure, mais 8 Billion Genies qui est sorti, moi, je l'attendais absolument pas chez eux. Je l'aurais vu chez un Urban ou autre, ou même chez Delcourt. Bah, j'étais surpris que ça vienne chez eux. Bon, bah, au final, c'est super bien, j'en reparlerai. Mais voilà, c'est des quelques titres comme ça qui poquent. Il n'y en a pas 150, mais il y en a 2-3 qui arrivent de temps à autre. Donc voilà, en termes de stratégie indé, en tout cas, voilà. Après, de toute façon, clairement, sur leur podcast, on entendra essentiellement du Marvel. J'ai entendu, moi, un des derniers où ils parlaient, par exemple, de Cyberpunk. Ils ont fait la critique du dernier titre Cyberpunk qui est sorti. Voilà, de temps en temps, il y aura sûrement des franchises qui font, parce qu'ils font aussi d'autres franchises. Mais on entendra probablement quasi que du Marvel, du Star Wars, éventuellement, et encore. Et pas forcément beaucoup d'indés. Moi, j'aimerais bien justement que ça leur permette de couvrir un peu plus et de sortir un dé. Parce qu'on a, enfin, un peu, comme on voit souvent, c'est que quand ils sortent de l'indé, ça se casse pas mal la gueule, sauf cas exceptionnel. Mais en fait, oui, ils peuvent pas compter sur une com marvelienne. Et donc, ils sont obligés de faire la com venant d'eux-mêmes. Et ce qu'ils faisaient pas. Comment dire, ce qu'ils faisaient pas naturellement avant. Et donc, en fait, ça se cassait systématiquement la gueule. Tout à l'heure, on a parlé de Valiant. Faut jamais oublier que c'est Panini qui a commencé Valiant en France. Ah, oui. Et qu'ils n'ont jamais dépassé les tomes 2 des 4 premières séries. Quoi. Enfin, c'est ça. Voilà. Cela étant dit, regarde tes messages, Thomas. Parce que moi, je reçois plein de messages, je t'en envoie plein. Oublier de casser le rythme de la discussion parce qu'il y a des vraies interrogations de la part de notre modérateur. Je ne vois rien. Alors, on coupera ça au montage. Hein. Ouais. Notre modérateur nous demande si on va supprimer des sujets parce que ça va être chaud pour tenir le timing. On va voir. On avait prévu de faire 2 critiques chacun en fin de podcast, de live. On verra si on en fait qu'une. On peut faire une critique et juste mentionner le deuxième. Oui, voilà, au pire. Voilà. Parce que moi, ils sont là, ils attendent sagement depuis vendredi. Plus sérieusement, ouais, on a encore dévié, hein, on est plus sur le podcast, là, on est sur les catalogues. Comme quoi, on n'y arrive pas. Hein. Non, on n'y arrive pas. Donc c'est compliqué. Bien, ouais. C'est fou. D'autres choses à dire. Enfin, je suis désolé, j'ai pris ton rôle de modération, Thomas. Alors, je voulais juste revenir par rapport au chat. Je voyais que JVT75 qui disait que l'arrivée d'Urban était une bonne chose, mais que probablement que les séries mainstream étaient celles qui marchaient mieux chez Urban. Moi, je suis pas forcément convaincu de ça. Alors, je pense qu'il y a quand même Batman qui vend à mort, ça c'est clair. Maintenant, je suis pas sûr que le reste vende beaucoup. Par contre, ce qui fait beaucoup de bien à Urban et à DC en général, c'est tout le Black Label. Parce que le Black Label, c'est quasiment que des one-shots, c'est que des titres bien spécifiques avec des univers bien particuliers et que du coup ça cartonne. Alors je vois que apparemment c'est pas ce qu'il a dit. L'arrivée d'Urban était une bonne chose, oui. Après, je suis pas certain. Oui, effectivement, pardon, j'ai sauté le je suis pas certain. Oui, alors toutes les séries. Mais... comment le bonhomme JVT? JVT 75. Alors JVT 75, est-ce que tu es Jean-Vincent? Mon pote Jean-Vincent qui est fan de comics, parce que lui, il aurait beaucoup de choses intéressantes à dire, si c'est bien lui. Et du coup, voilà, pour dire que je pense que moi, je pense que c'est surtout le DC Black Label qui fait beaucoup de bien, et que probablement que... Activement parlant, il n'y a pas photo, c'est sûr et certain. Je pense que Marvel gagnerait beaucoup à faire un équivalent à DC Black Label en ressortant Marvel Max ou je ne sais quoi. Il y aurait des quantités de choses à faire incroyables et je pense que ça marcherait beaucoup mieux. Et je sais que pour écouter beaucoup le podcast de First Print, c'est quelque chose qui demande beaucoup aussi de leur côté.
Maintenant, il faut que Marvel le fasse, et je sais pas. Je pense que peut-être aussi que Marvel a peur qu'on leur reproche de copier DC en faisant exactement la même chose. C'est déjà arrivé plein de fois, à chaque fois qu'il y a eu des choses comme ça faites d'un côté et de l'autre. Donc, on verra. Culturellement parlant, les podcasts, n'importe quoi. Culturellement parlant, chez Marvel, les labels adultes, ils ont jamais été très pérennes. Epic, dans les années 80, ça n'a pas marché du feu de Dieu. C'est pareil pour Max, ça n'a pas été. Max, sorti du Punisher de Garth Ennis, ils n'ont rien sorti chez Max. Max, qui sait qu'ils avaient vendu comme leur Vertigo. Oui. Ils avaient vendu leur Vertigo à l'époque où ils ont lancé Max. Et concrètement, ils ont fait Thor Viking. C'est pas. Je l'ai lu, hein. Je l'ai pas lu depuis qu'il est sorti, mais je n'ai pas un souvenir phénoménal. Ils ont sorti leur Fury. Qui a laissé des souvenirs, on va dire, très très mitigés au sein du staff Marvel, puisque c'est le truc qui a plombé le film Nick Fury, qui devait se faire à l'époque avec George Clooney. Et quand George Clooney a vu Fury Max, il a dit « Ah non, je vais pas jouer à un mec qui se tape des gamins, qui se tape des gamins asiatiques dans une chambre d'hôtel Pera avec Luke. » Je sais pas si vous étiez au courant de cette histoire, mais c'est, voilà. Et puis il y a eu que, finalement, le seul truc qui est resté pérenne chez Max, ça a été le Punisher de Garth Ennis. Qui, par contre, lui, a duré longtemps, ça c'est sûr. Mais les labels adultes chez Marvel, ça a toujours été très compliqué. Là où. Parce que je pense qu'en fait, il leur aurait fallu une Karen Berger, qu'ils n'ont jamais trouvé. Je pense qu'ils ont souvent pris par le mauvais bout de la lorgnette. Ils avaient leur label Icon aussi, il me semble, à une époque, qui était censé être un truc un peu adulte, creator-owned à la Vertigo, et au final, ils ont fait que sortir du Brian Michael Bendis. Et pas Brian Michael Bendis à son prime, quoi. Clairement. Donc, il faudrait cet espace-là. Ce serait bien. Parce qu'à côté de ça, ils font les bouquins de Tramour. Ils font Fall Sunrise, ils font Silver Surfer Black, ils font... par exemple, même... United States of Captain America de Chris Cantwell, ou le Namor de Chris Cantwell qui s'appelle Conqueror of Shores, je crois, ça aurait eu sa place dans un label à la Black Label, justement. Ça aurait pu être sorti dans une collection plus adulte. C'est des récits, surtout le Conqueror of Shores, hors continuité. Ça aurait eu une place légitime dans un truc à la Vertigo ou à la Black Label. Maintenant, bon, bah Marvel, je pense que chaque chevet craint l'eau froide, ils ont essayé 3 ou 4 fois de faire des labels adultes, ça n'a jamais marché. Ouais, puis pour l'instant, je dirais que ça vend bien en faisant des trucs pas très qualitatifs, donc pourquoi s'embêter à essayer de... Ah, bah après, ça, c'est la culture entreprise tentaculaire à la Disney, quoi. Enfin, c'est ça. On inonde le marché, et puis survit ce qui doit survivre, et puis voilà, quoi. C'est ça. Et ça fonctionne quand t'as une société multimilliardaire derrière toi. Sinon, tu te retrouves dans le Marvel des années 90 qui était à ça de dépôt de banqueroute et le résultat est pas fou, quoi. Ouais. Bon, bah, ouais. En tout cas, il y a cette guerre. On va arrêter de digresser. On va essayer. Donc voilà, pour cette guerre, entre guillemets, parce que, voilà, comme on dit, il n'y a pas vraiment de guerre, mais pour cette comparaison entre les deux podcasts Urban et Panini, voilà ce qu'on avait à en dire. En tout cas, on va voir comment ça évolue, et peut-être que d'autres éditeurs seront tentés de se lancer dans l'aventure eux aussi, on sait jamais. On sait jamais. Maintenant, alors, on va tenter de parler du DCEU et du MCU en essayant de peut-être... prendre un petit peu moins de temps qu'on en a pris pour le podcast, histoire de pouvoir faire des critiques, et en digressant un petit peu moins. Mais voilà, on va vous parler, on va faire un petit point sur ces deux univers. Pourquoi j'ai voulu le faire? Puisque, bah, comme tout le monde le sait, ou presque, dans les amateurs de comics, le DCEU est un petit peu à la fin d'une époque, d'une faste époque, et le MCU... Quel feu d'artifice, c'est clair. Et que le MCU, en parallèle, n'est plus forcément aussi... puissant qu'il l'a été. Donc je me disais que pour un premier live, ça pourrait être bien de faire un petit bilan sur ce qu'il en est, et en attendant de pouvoir parler du futur de l'univers du DCU, du coup.
qui veut commencer à parler du DCEU? Alors déjà, notre cher étant modérateur m'envoie le message, mais que d'espoir pour le DCEU. Oui, effectivement, le DCEU, je ne sais pas ce que tu en penses, Jimmy, mais le DCEU a l'air de vouloir se donner les moyens de faire quelque chose, quoi, ce qui n'était pas le cas. C'est ça. Et après, parlons de la fin du DCEU. Le DCEU termine quand même le dernier plan qui conclut le DCEU sur un mec qui mange un burger au cafard. Rappelons-nous quand même que ça termine là-dessus. C'est quand même grandiose. Est-ce que la suite, je pense qu'on peut sans trop prendre de risques se dire que oui. Maintenant, moi, ce qui me rend optimiste sur le DCEU, c'est que contrairement au MCU, pas sur le nouveau. Ah, DC Studio, pas DCU, enfin bref, sur le DC Studio tel qu'il est aujourd'hui, ce qui me rend optimiste contrairement au MCU, c'est que c'est une direction faite par un artiste. On aime ou on n'aime pas James Gunn, bon, il y a plein de choses que je peux reprocher à James Gunn en tant que réalisateur, en tant que scénariste, en tant que producteur. En attendant, quand il a annoncé le line-up de God and Monster, parce que je crois que c'est le nom du premier, de la première phase du DCU, corrigez-moi si je me trompe, je crois que c'est God and Monster, à chaque film qu'il a annoncé, il a à chaque fois associé ça à une œuvre existante. Supergirl, il annonce Supergirl, Girl of Tomorrow, Woman of Tomorrow de Tom King. On aime ou on n'aime pas, on va pas digresser, donc on va pas rentrer dans ce débat-là. Mais à chaque fois, il a annoncé, voilà, Superman Legacy, qui vient de changer le nom pour juste s'appeler Superman, il avait mentionné Superman for All, pas for All, Superman All-Star. À chaque fois, il a annoncé une œuvre en disant, bah, ce film-là, j'aimerais qu'il soit dans ce... qu'il soit dans ce mood-là. Moi, je sais pas ce que va donner le résultat final, mais j'ai envie d'y croire parce que le mec, il parle comics. Là où un gars comme Kevin Feige, quand il annonce les films machin, ne parle jamais de comics. Il va même plus loin, quand ils prennent un nom d'une saga de comics, ça n'a rien à voir avec la saga d'origine. Est-ce que Age of Ultron ressemble à Age of Ultron? Non. Tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux, parce que Age of Ultron, c'était une bouse infâme. Mais voilà. D'un côté, on a un producteur qui a une vision de producteur. De l'autre, on a un artiste qui a une vision artistique. Maintenant, il va y avoir des ratés. Clairement, il va y avoir des ratés. Évidemment. Voilà. C'est assez, David, qui m'envoie un message, me dit Civil War, la blague. Oui, voilà, Civil War, qui se résume à 4 kikis qui se foutent sur la gueule sur un parking. On est loin du Civil War d'origine, quoi. C'est assez paradoxal, quand même, par rapport à Kevin Feige, dans le sens où, pour avoir lu et écouté pas mal de choses sur lui, c'est quand même un pur fan de comics de base. C'est un mec qu'on a lu des tonnes, qui adore ça. Alors après, est-ce que c'est une volonté de sa part de ne pas proposer la même chose du tout que ce qu'il y a dans les comics? Ça, c'est aussi une possibilité. Mais en tout cas, c'est paradoxal venant d'un gars qui, à base, est un énorme fan de comics. Je sais pas s'il était si fan que ça, en fait, parce que... C'est du storytelling, hein. Ouais, c'est ça, ça peut être du storytelling, oui. Du truc, mais... Enfin... Allez, c'est devenu une industrie qui produit des produits, non des œuvres. Nous dit David, oui, bien sûr, c'est une industrie qui produit... Mais même le DC Studio, à un moment, faut pas se leurrer, les mecs, c'est pas des philanthropes, hein. À un moment, ils sont là pour faire du blé, clairement. Et quand on va faire l'autopsie du DCU post Man of Steel. D'ailleurs, je recommande un excellent podcast qui en 3 ou 4 parties, je crois que tu vas en venir, Jimmy. Aventure fiction. Tout à fait, Aventure fiction, qui revient sur toute l'histoire du DCU version cinéma. Et c'est clairement pas des. On n'est pas sur des films en 3 parties, hein, totalement totalement extrait du monde. Et ce que n'est pas James Gunn. James Gunn, il est producteur. Il produit plein de trucs. Plus ou moins bon, enfin, entre Brightburn, Belko Experiment et compagnie, il a produit beaucoup de choses. Bon, maintenant, je sais pas, James Gunn, d'un côté, chez Marvel, c'est le mec qui a fait la trilogie Gardien de la Galaxie.
qui est une exécrable adaptation des gardiens de Baden Nett et Andy Lanning, mais qui sont de très bons. Il a trahi l'œuvre, parce que moi je suis un fan hardcore des gardiens version Abnett et Lanning, on n'a jamais fait mieux depuis. Hein, désolé tous les deux Nikkei Zouz, mais ça reste sympa le run de Tony Cates, mais ça vaut pas celui d'Abnett et Lanning. Maintenant, voilà, là son Superman part très bien, il a un casting de fou. Ouais. Supergirl, moi je suis assez content du choix de l'actrice. Moi je l'aimais déjà, j'étais amoureux d'elle dans Mrs. Maisel. Et d'ailleurs, je pense que vous avez vu l'annonce d'aujourd'hui, ils ont annoncé le cast de Perry White, qui ils n'auraient pas pu trouver mieux. Hein. Non. Enfin, si, ils pouvaient trouver mieux, mais le problème c'est que le mec avait déjà vu Perry White dans les. Même style dans les Zack Snyder, oui. Et ils ont clairement pas, ils vont éviter de refaire référence à Snyder. On parle quand même d'un des mecs qui va avoir un des fandoms les plus toxiques de l'univers. Voilà, maintenant, MCU pour moi, à mon avis, c'est oublier Kevin Feige parce que il a donné tout ce qu'il avait à donner et le fait de passer sur la série télé, ça les a tués. Parce que ça a dilué la marque Marvel. Et puis bon, je suis désolé, mais à un moment, quand tu vois le niveau de finition des Marvel ces dernières années, revoyez les films d'il y a 20 ans, ils sont mieux en termes d'effets spéciaux, quoi. David me dit, il faut reboot le MCU pour redémarrer sur de nouvelles bases. Un reboot, c'est trop compliqué. Enfin, il y a trop de... Ouais, et ils sont allés trop loin, là. On peut toujours faire un reboot. On peut toujours faire un reboot. Maintenant, est-ce que Disney va laisser faire un reboot? Ça, non. C'est une autre question. Parce que techniquement, tu mets fin à la licence, t'attends 5 ans pour annoncer un nouveau casting et puis c'est marre. C'est-à-dire que tu laisses reposer la licence. Maintenant, on parle de Disney. Ouais, ils vont pas attendre 5 ans sans avoir un film. C'est ça. Ils vont pas attendre 5 ans. Déjà, j'ai du mal à attendre 6 mois. C'est ça. Déjà, 2020. Pas de film, ou alors un nouvel univers. Oui, ou alors un nouvel univers. Il y a que Deadpool. 2024, il y a que Deadpool. Ouais, 2024, il n'y a que Deadpool, et Deadpool, c'est un projet un peu bâtard. Ouais, c'est un peu hybride, anciennement Fox et... C'est ça. Puis, et Disney. Honnêtement, j'y crois pas une seconde à Deadpool. Ils ont introduit un multivers que t'es possible. Oui, ce que je dis, un nouvel univers est possible. Mais un nouvel univers, ça va... Non. De toute façon, si Kevin Feige reste à la tête, ça ne changera pas. Tu pourras dire c'est Ultimate Marvel MCU, UMCU. Ce qui pourrait être une porte de sortie, ouais, si c'est pour avoir exactement la même direction, avoir un mec aussi contre le fric, qui laisse absolument personne s'exprimer, qui bride absolument tous les réels, parce que l'histoire avec Mia DaCosta sur The Marvels, elle est, la meuf s'est barrée avant, elle a pas fait la post-prod, mais aucun, c'est la seule qui l'a dit clairement, mais aucun réel de chez Marvel ne reste sur la post-prod, personne ne le fait, enfin c'est connu depuis des années. Tout est géré en post-prod en interne chez Disney. Tant que tu vas voir ce mec-là à ce poste-là. Après. Voilà, il va falloir que Disney tape ses points sur la table, mais qu'ils font peut-être pas. Après, ouais. Je pense qu'il y a eu, un changement dans le sens où, quand Bob Iger est parti la première fois, clairement, on a laissé les clés de la maison. On lui a laissé les clés de la maison, clairement, il a commencé à faire un peu tout ce qu'il voulait, il a géré son truc, on l'a catapulté à la tête de toute la division Marvel et compagnie. Là, par contre, depuis, j'ai l'impression que Bob Iger est revenu pour empêcher le bateau Disney de couler, parce qu'il commence à prendre un peu l'eau. Depuis, j'ai quand même l'impression qu'il a un peu resserré les vis, dans le sens où il y a quand même pas mal de projets qui, depuis, ont été plus ou moins abandonnés, ou au moins mis en stand-by, parce qu'il y avait trop de choses qui étaient mises en place et tout, qui étaient mises en route, que au niveau série, bah, clairement, il y en avait trop en attente, et que de toute façon ça leur rapporte clairement pas grand chose et que c'est pas intéressant, ils font trop de fric là-dessus, et que du coup Kevin Feige se retrouve dans une position où il a peut-être un peu moins de pouvoir avant,
Peut-être qu'il y a eu une remise en question. Pour l'instant, tout ce qu'on a vu, c'est uniquement des choses qui avaient déjà été mises en route à minima au moment où Bob Iger était parti. Alors personnellement, c'est peut-être encore qu'une rumeur. Je ne sais pas si c'est officiel ou pas. Ça, je n'ai pas eu d'infos là-dessus. Mais moi, il y a une rumeur qui me donne beaucoup d'espoir si effectivement elle se vérifie. C'est que il y a une info qui était sortie comme quoi, a priori, Ryan Reynolds et l'actrice qui joue Miss Marvel, Iman Vellani, aurait intégré l'équipe de créatifs de l'univers Marvel pour justement rapporter du sang frais chez les créatifs du MCU et reproposer des choses par des gens qui sont très amateurs et a priori quand même très connaisseur de l'univers Marvel, parce que j'avais vu pas mal d'infos comme quoi apparemment Iman Vellani il a tendance à se balader un peu partout dans le studio et à donner ses conseils et puis ses anecdotes sur l'univers Marvel en comics à qui veut bien l'entendre. Donc moi personnellement ça me donne pas mal d'espoir sur la suite. Peut-être qu'il y aura du changement, et je pense que de toute façon avec les problèmes qu'ils ont avec leur dernière production et le fait que il est fort possible que l'univers DC au cinéma ne soit plus aussi catastrophique qu'il ne l'était, va faire qu'ils seront plus sans concurrence. Peut-être qu'il va y avoir de la remise en question et des changements en interne qui vont les pousser à changer pas mal de choses. Moi, j'ai de bon espoir là-dessus. Je me dis que le DCU, s'ils nous sortent des bons trucs, que ça marche bien, Marvel, ils vont être obligés de gonfler leur jeu pour pas se ramasser, parce que il y aura de la concurrence, et que bah clairement la tambouille qui nous serve depuis au moins le Covid, bah ça intéresse plus tellement les gens, et que s'il n'y a pas de remise en question, ça va finir par nous faire un DCU bis, voilà, et que finalement bah même si le MCU a tout écrasé pendant des années où tout le monde disait ah c'est génial ce qu'ils font, personne ne sait le refaire, machin, tout ça, bah ça tout le monde l'aura oublié, tout le monde dira ah MCU c'est ceux qui se cassent la gueule parce qu'ils sont pas capables de faire des films. Ils auront oublié tous les 10 ans qu'il y a eu avant, où ils ont tout écrasé sur leur passage. Donc moi, j'ai bon espoir sur le fait qu'il y ait une remise en question en interne par Kevin Feige, avec une remise en place par Bob Iger. Qui est-ce qui est, clairement, c'est pas un gentil, voilà. Mais n'empêche qu'il sait diriger une boîte, elle a jamais été aussi riche que quand il était là, et que bah, il sait ce qu'il faut pour que ça... Ouais, voilà. Oui, bah c'est sûr. Mais... toujours est-il que quand il est arrivé, apparemment, il y a eu du changement, il y a eu un coup de gueule. Et je pense que Kevin Feige, ouais. En gros, si ça se trouve, on lui a dit, t'arrêtes les conneries ou maintenant tu jartes, quoi. Et je pense. Enfin, le coup de gueule de Feige, c'est de Miguel, c'est aussi et surtout parce que le précédent avait perdu 2 milliards de dollars via oui. Plus. Et qu'a priori, il aurait truqué les comptes et qu'il aurait perdu beaucoup. Moi, je ne crois pas à la rumeur de Ryan Reynolds et Iman Vellani au pool d'écriture, ne serait-ce que parce que Ryan Reynolds, en réalité, c'est surtout un mec qui s'aime lui-même. C'est un contrôle freaks qui verrouille ses productions à lui et ses rôles à lui. En mettant toujours les mêmes réalisateurs et les mêmes scénaristes au poste clé de ses œuvres, il n'a rien écrit de lui-même. Il donne des pitchs et ce sont ses scénaristes, les scénaristes de Deadpool qui écrivent derrière. Deadpool, c'est pas super bien écrit. Enfin, Deadpool se fout des codes des films de super-héros, mais les utilise en mode premier degré. Deadpool 2, c'est pas magique. Et le 3, voilà. Iman Vellani, j'ai aucun doute, c'est une fan. Tu regardes son... Moi, je la suis sur Thread. Elle est tout le temps en cosplay de tous les personnages Marvel à la première occasion. Elle co-écrit depuis un moment les séries Miss Marvel. Ouais. Les séries comics Miss Marvel. Mais je vois pas... je vois pas Kevin Feige. À l'heure actuelle, ce mec est un contrôle freak. C'est lui qui a fait un caprice pour récupérer Marvel TV. Et dégager Jeff Lubb qui était une star quand même. Jeff Lubb qui a été une star de l'écriture. Et je vois pas Kevin Feige se remettre en question, laisser prendre le contrôle créatif à d'autres. C'est quelque chose qui ne fera pas. Il est trop
la fin de la série Missul, qui elle est très parlante hein, aussi là-dessus. On n'aime pas Missul, que la fin elle est magique, c'est un aveu de la part des scénaristes. En mode, de toute façon, on ne peut rien faire. C'est Kevin qui chapeaute le tout. Non, je pense qu'il va falloir. Est-ce que la concurrence du DCU, du studio DC, va les motiver? Peut-être. Peut-être. Faudra voir les résultats en fait. En vrai. Mais quand tu vois les seuls films de l'année qui a fait de l'argent chez Marvel, Gardiens de la Galaxie, ils n'ont pas l'air de se diriger vers une formule la Gardiens de la Galaxie, une formule sur laquelle ils laissent plus de place à leur réel. Comme on m'a envoyé David, c'est vrai que l'EFF est repoussé et il se retrouve en face de Superman. Lui, il me parle d'une concurrence haussée vers le haut. Oui, mais les effets, on les verra pas avant plusieurs années, et peut-être que ce sera déjà trop tard, en fait. Et puis, on parle d'exécutif hollywoodien. Les mecs sont pas capables de tirer les bonnes analyses. Regardez ce qui se passe chez Sony à l'heure actuelle. Ah, Madame Wong se casse la gueule. Ouais, est-ce que c'est parce que le film est mauvais? Est-ce que c'est parce que le film est mal écrit? Non. C'est parce que ce sont des personnages principaux féminins. Hein. Donc on fera plus de films de super-héros avec des filles. No shit, Sherlock. Wonder Woman, c'était de la merde en broche. En attendant, il a marché. Hein. Mm. C'est, le problème, c'est pas que c'est des filles. Le problème, c'est que c'est mal écrit. Enfin, je l'ai pas encore vu. Je le verrai probablement pas, Madame Web. Mais voilà. Enfin, il faut encore qu'ils tirent les bonnes leçons et les bonnes analyses. Ouais, après, voilà. Le projet Sony, ça partait déjà mal. Simple fait de faire un univers partagé sur des personnages dont on va dire que l'origine est quand même pas mal liée à Spider-Man, sans qu'il y ait Spider-Man, c'est déjà très compliqué de base. Donc, voilà. Déjà, de base, ça partait avec une jambe en bois. Tu veux dire que tu as de l'espoir pour le film El Muerto ? Absolument pas. Non, mais moi, la partie Marvel-Sony, Ah, c'est surtout Sony, hein. J'ai jamais trop cru, mais alors là... Je pense que si tu poses la question à Kevin Feige, il a autant d'affection pour l'univers Sony que t'en as pour ton cousin, résultat de double mariage consanguin, oui, oui. Que tu croises aux enterrements, tu sais, qui se bave dessus, qui tremble, et pour lui, ça, il doit avoir la même vision que nous on a de ce personnage là ouais, pour lui ça va être un boulet, d'autant plus que je pense. De mémoire il y a des bails perso entre lui et Amy Pascal, ouais. La tête de film du Spider-Less Universe, une sombre histoire de V de sandwich à la gueule. On en a bien entendu parler, ouais. Quand ça avait clashé que Sony avait décidé d'arrêter le contrat pour Spider-Man et tout, enfin ouais, et ça avait beaucoup fait parler à l'époque. Et d'ailleurs, il y a un clin d'œil à ça dans, je sais plus lequel des deux derniers Avengers, de mémoire, dans Endgame. La scène où Black Widow menace de lancer un sandwich à la gueule de Captain America serait un clin d'œil à la fois où Amy Pascal a balancé son sandwich à la gueule de Kevin Feige. D'accord. Voilà, bref. Maintenant, bah, de DCU, déjà, quand t'as tête de fil, c'est un mec qui ne comprend fondamentalement pas l'univers dans lequel il évolue, ça pouvait pas bien partir. Parce que je suis désolé, mais Snyder n'a... Allô, Man of Steel. Enfin... dur, quoi. Enfin, t'as compris qu'il était Superman ou quoi? Enfin, Superman tue. Superman tue alors qu'il... En plus, qu'il aurait pu largement changer le truc. Ah, et puis Dawn of Justice là. Je n'aime pas Batman parce qu'il tue des gens. Et Batman, je n'aime pas Superman parce qu'il tue des gens. Le DCU version Snyder, ça ne pouvait pas bien se passer, quoi. Ouais. Et. Jimmy, on t'a pas entendu depuis un moment. Oui. As-tu quelque chose à ajouter? Bah, en fait, moi, ce que je vois dans tout ça, tu parlais des effets, tu sais, de tous les effets de ces films-là, qui sont mal analysés par les financiers et tout ça. Moi, ce que je vois aussi comme effet et que j'aime bien voir et que j'apprécie, c'est que le lendemain de l'annonce de Gods and Monsters, le chapitre 1 de James Gunn, bah, tous les comics cités étaient en numéro 1 des ventes Amazon. C'est vrai. Sur, dans quasiment tous les pays. En fait, ça, c'est,
Moi, c'est un effet que j'aime bien voir, et c'est con, mais ça marche, quoi. Non, c'est pas sûr. Je suis content. C'est pas sûr, c'est vachement bien. Et je suis content de voir que, oui, comme tu disais, ils mettent l'accent sur les comics, et putain, ça marche. Genre, c'est con, mais ça marche. C'est pas non, donné. C'est pas con. C'est pas non, mais je veux dire, c'était simple à faire. Ouais. Mais c'est pas donner le nom d'un comics à un film sans jamais le respecter qui va faire que les gens vont lire des comics. C'est le fait de juste dire, bah voilà, ça c'est cool, on va s'inspirer de ça et lisez ça. Et c'est ça, et c'est-à-dire que Kevin Feige, alors, non pardon, ma phrase partait mal, elle n'avait pas recoupé l'idée que je voulais expliciter. Quand on regarde les chiffres de vente en France, en anglais, il y a zéro répercussion sur les chiffres de vente Marvel. Mmh. C'est-à-dire qu'un film Marvel n'entraîne pas plus de ventes de comics Marvel. Ouais. Je pense que Panini a été très clair sur la question dans First Print. Je ne sais pas s'il le réaborde, je n'ai pas assez écouté. Je ne sais pas s'il le réaborde dans leur propre podcast. En attendant, il y a zéro effet d'entraînement. Pourquoi ? Mais parce que c'est tellement différent et c'est tellement mis sous boisson. Et puis, ah oui, on reprend un titre, mais c'est pas la série qui sait pas. C'est pas la storyline qui suit ou quoi que ce soit. Qu'au final. Ça prend deux voies séparées. Et effectivement, et c'est pour ça que je pense sincèrement que Kevin Feige n'est pas forcément fan de comics. Il en a peut-être beaucoup lu, c'est possible, mais je pense pas qu'il les aime. En tout cas, il n'aime pas les artistes. Je suis pas sûr que ce soit un fan d'artistes. Là où. Non, mais pas dans le sens où il aime. Mais dans le sens où il a pas. Il va pas te, c'est pas le mec qui va prendre quatre yeux en te parlant de la thématique du sadomasochisme chez Chris Claremont. Tu vois, c'est pas un mec qui va te dire bah Tom King, Tom King il a une obsession du gaufrier à 9 cases de Watchmen, c'est un mec qui revient toujours à Watchmen. Tu vois, il va pas te dire ça, parce que je pense que fondamentalement c'est des trucs dont il en a rien à foutre. C'est, il va lire une histoire en disant est-ce qu'il y a du potentiel pour une adaptation ou pour en faire un comics, un film. Là où James Gunn, tu sens que James Gunn, tu peux lui parler de la saga du Phénix Noir, il va te dire oui. La scène où Wolverine, enfin du Hellfire Club, la scène où Wolverine sort de l'eau, dégaine ses griffes et dit maintenant c'est mon tour, c'est le début du mythe Wolverine, tu vois. Tu sens que ça c'est quelque chose qu'il connaît et qu'il maîtrise. Et je suis pas sûr que tu puisses aborder ça avec un mec comme Kevin Feige. Et ça se sent dans leur façon. Alors, on va pas dire de gérer l'univers parce que concrètement James Gunn n'a pas géré l'univers jusque-là. Hein. Jusque-là, la semaine dernière, fin de cette. Ouais, c'est ça, bah, cette semaine, parce qu'on est dimanche. Mais jeudi ou vendredi, Superman vient de rentrer en tournage, pas plus. Il parle d'autres films. Donc on peut pas parler de gestion d'univers. Mais en tout cas, c'est trop tôt, mais voilà. C'est encourageant. Voilà, c'est ça, c'est encourageant parce que c'est un mec qui a l'air de dire ben, moi je l'ai lu ça. Et puis quand on voit le projet Swamp Thing, à qui il va chercher pour Swamp Thing? Il va chercher James Mangold. James Mangold, bon, son Indiana Jones était détestable, mais c'est un mec qui, à la place de mon poster de jeu de rôle que j'ai au-dessus de moi, il a une planche originale de. Il a une planche originale de. Du Swamp Thing par Bernie Wrightson, tu vois. C'est quand même un mec qui déjà te dit, bah ouais, moi, je suis fait pour ça, quoi. Et. Déjà, il a plus. Oui, et puis. Me dit David, c'est vrai qu'il est entouré, il a un pool d'auteurs chez DC Studios qui comprend des mecs comme Tom King. Tom King, on en pense qu'on en veut, je suis pas forcément le plus grand fan de Tom King au monde, mais au moins il s'entoure. Alors que chez Marvel, citez-moi un nom du pool de scénaristes. Il y avait Jeff Loveness, il a été viré. Il a été viré après Quantumania. Il n'y a personne. La seule personne qui écrit. Et la trame narrative du DCU, c'est Kevin Feige, et il n'est pas scénariste, il est producteur. Voilà. Donc c'est une saga de producteur, MCU. Là, apparemment, le DC Studio va être plus une. Alors il y a Peter Safran qui est derrière aussi, mais on est parti pour être sur un truc un peu plus de créateur. Donc moi j'ai de l'espoir sur le DC Studio. Ouais, pareil. J'ai dit, en plus, ils annoncent plus ou moins Matthew Vaughn sur The Authority. Qui promet d'être un truc d'une boucherie sans nom et complètement déjanté, parce que quand on voit les scènes d'action, même si Argyle par exemple c'était pas magique, mais quand on voit les scènes d'action d'Argyle ou de Kingsman, voir le Moonlighter
filmé par Mathieu Vaughn. Ça peut dépoter. Ça va... voilà. J'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir. À voir, ça, à voir. Mais j'avoue, j'attends plus rien du MCU. Je suis curieux positif du DCU. Ok, donc disons. Vas-y. Sur DCU, je trouve que c'est hyper généreux aussi, parce que j'ai vu quelques personnes râler à propos de ça. Mais le film Superman engage tout autour de lui un sacré pool de super-héros aussi qui seront là dans le film, sans être. Ils vont graviter autour du héros, mais sans être importants. Et je trouve ça super important aussi, tu sais, c'est ce qu'on retrouve beaucoup chez Valiant aussi. Où tu peux lire n'importe quelle série et tu vois tous les autres héros, c'est un truc que je kiffe à mort, ça, dans les univers connectés. Et c'est ce qui s'annonce, c'est ce qui semble s'annoncer sur les films du DCU. En tout cas sur Superman, et c'est cool. Enfin, moi je trouve ça super cool. Après, est-ce que du coup tous les auteurs vont devoir se fixer sur une formule poursuivre cette démarche? Je pense que non, et il a annoncé que non, et j'espère que non. Mais en tout cas, ça, c'est cool. Ouais, voilà, c'est ça. J'espère qu'il tiendra parole là-dessus. J'espère que je l'attends au tournant. Un des problèmes du MCU, c'est qu'on se retrouve avec tous les films sont ensemble. Qu'est-ce qui ressemble plus à un film des frères Russo, un film de Jon Favreau, quoi. Enfin, il y a quelques exceptions, genre Multiverse of Madness, pour citer un exemple récent, parce que c'est Sam Raimi. Et que Sam Raimi, même si tu lui coupes les pattes et que tu joues avec son cadavre, pour reprendre l'expression de Malmung de Comics Peak, ça reste un mec qui a une patte que tu peux prendre. Il y a les James Gunn, et puis il y a Iron Man 3. Parce que ce sont avant tout des films d'auteur. Deux leurs auteurs, on va dire. Oui. du cinéma d'auteur, quand même, faut pas déconner. Mais ouais. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on va avoir, a priori, des films de leurs auteurs qui s'inscrivent dans un univers plus global. Mais moi, au-delà de voir des films d'auteurs, je veux aussi voir des films de genre. Bien sûr, mais je veux pas que le film de super-héros soit un genre en soi pour eux. Parce que le type super-héros n'est pas un genre, en fait. Je veux voir des films d'horreur, peut-être des westerns ou quoi, genre ça peut être marrant, ça peut être... Il y a vraiment moyen de s'éclater de fou, je trouve. Ça, c'est quelque chose qui était prévu dans l'univers cinématographique mort-né, le VCU, le Valiant Cinematic Universe. C'était quelque chose qui était prévu, ça. Je sais qu'ils avaient parlé du fait que chaque... chaque personnage aurait plus ou moins son style de traitement et qu'on retrouverait potentiellement des genres bien, bien différents pour du ninja, pour du Bloodshot, Harbinger et compagnie. Ça, on a vu Bloodshot, on a vu que c'était un genre. Ouais, alors malheureusement, Bloodshot, ils s'en sont. Le problème, c'est qu'ils étaient avec Sony. À l'époque, tout devait être chez Sony. À la base, ouais. Le problème, c'est qu'ils ont vraiment pas eu de bol parce qu'ils ont sorti le film le jour où le Covid a provoqué tout ce qu'on sait. La plus grande marque que le Bloodshot laissera dans l'histoire du cinéma, c'est qu'il est le dernier tapis rouge avant le confinement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et au final, il est même, je sais que même en France, il est même pas sorti du tout au cinéma. Ça a été une catastrophe incroyable. Alors maintenant, on n'a pas forcément beaucoup d'infos sur la suite qui va être donnée à tout ça. Moi, les infos que j'ai pu, on va en parler que très brièvement, parce que c'est pas le sujet de ce soir, mais pour donner quelques news, par exemple, aux dernières nouvelles, déjà, les autres personnages, déjà Harbinger était normalement chez Sony, ça a été donné à la Paramount, Face, tout a été redonné à la Paramount, Sony n'a rien gardé, on pense que potentiellement ils feront c'est ce qu'a dit en tout cas le grand chef qui s'occupe du cinéma chez Valiant, en tout cas qui s'en occupait, parce que pour l'instant on n'a pas de nouvelles, mais que apparemment... Valiant,
Ouais, enfin, depuis il y a eu beaucoup de changements aussi, donc peut-être que ce qu'il avait dit à l'époque n'est plus valable, mais en tout cas ils avaient dit à un moment donné que certes le film Bloodshot n'avait pas eu de vie au cinéma, et que les chiffres n'étaient pas incroyables forcément, mais que sa vie en VOD avait été tellement bonne, parce qu'apparemment ça a beaucoup fonctionné, que les chiffres avaient donné le feu vert pour une suite. Et qu'en tout cas, c'était en cours de développement. Maintenant, est-ce que la suite a été donnée à la Paramount aussi, ou est-ce que ça va se faire chez Sony ? Ça, j'en sais rien. Est-ce que c'est toujours dans les cartons ? J'en sais rien. Je sais qu'en tout cas, la dernière nouvelle, il y a eu ils ont repris l'écriture du scénario pour le film Harbinger à la Paramount, et qu'il se pourrait que tout se fasse à Paramount, et qu'ils développent un univers semi-partagé là-bas, mais... Pour l'instant, de ce que j'ai entendu, moi, ils préfèrent pas trop en parler, parce que bah déjà, l'éditeur en comics se relançant un peu comme il peut là en ce moment, via des accords, des trucs, ils préfèrent laisser un peu vivre le truc pour l'instant, et ils travaillent un peu en sous-marin, mais en tout cas, il y a toujours quelques trucs en préparation, on verra si ça arrive ou pas, mais voilà. Corrige-moi si je me trompe, parce que de mémoire, c'est ça, les mecs qui ont racheté Wagon Comics. Oui. C'est DMG. Oui. DMG, c'est une boîte de prod ciné chinoise. Oui. Qui a ses bureaux en Californie. Voilà. Donc on est d'accord qu'une boîte de prod rachète un éditeur de comics pour avoir un générateur à licence et ne l'exploite pas. Bah pour l'instant, non. Clairement, absolument pas. C'est marrant comme Valiant est une boîte maudite pour ça. Ouais. Parce que le Valiant des années 90 a coulé à cause d'Acclaim, qui a été racheté par Acclaim Entertainment pour exactement les mêmes raisons et avec exactement la même fin. C'est-à-dire que Acclaim les a rachetés pour avoir des IP pour le jeu vidéo. Ils ont quasiment rien sorti. Ouais, ils ont sorti Shadowman. Ils avaient sorti Shadowman et ils avaient sorti un crossover sur Game Boy Iron Man et X-Manowar. Ouais. Mais et techniquement ils ont sorti Turok aussi. Mais d'ailleurs il y a eu plusieurs jeux Turok contrairement au Shadowman mais du coup effectivement bah pour l'instant le catalogue n'est absolument pas exploité et on ne sait pas je serais même pas étonné que les Chinois finissent par revendre le catalogue. Moi, j'espère qu'une chose, c'est que Dinesh Shamdasani, ils se disent, allez, rentre de deux, je vais aller racheter du coup aux Chinois, ça j'espère. En tout cas, alors, moi par contre, je pense qu'il y a quand même eu un rapprochement quelque part, parce que, alors, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles là-dessus, mais à la dernière San Diego Comic Con, Il y a eu un cocktail Valiant et moi j'étais allé parler avec Dinesh parce que Dinesh c'est quelqu'un de très accessible, ça c'est quelqu'un là-dessus, enfin, ça va voir que je voyais ça sauf par mail, mais en tout cas sur les réseaux il est très accessible parce que quand je faisais les critiques des titres publiés chez Bliss, les titres Valiant, à chaque fois il repartageait lui-même avec son propre Twitter mes critiques, et on a déjà échangé plusieurs fois sur Twitter, par exemple, entre nous, sur différentes choses et tout, et là, quand j'ai eu, moi, cette info, j'étais allé lui parler, lui dire, du coup, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Est-ce qu'on va retrouver des titres Valiant chez vous ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et il m'a répondu, je ne peux rien dire pour l'instant, point. Avec, enfin, il sait hyper, il sait donner du suspense à mort, lui, et il m'a dit, je peux rien dire pour l'instant. Voilà. À mon avis, il y a eu un rapprochement, mais encore façon Bad ID, ouais, clairement. Mais enfin, c'est là-dessus, je trouve ça un génie. Ouais, Bad ID porte très bien son nom. En termes de com, c'est que des mauvaises idées. Ouais. On en reparlera quand on sera sur la partie critique. Voilà. À mon avis, il va pas trop tarder. Ouais. Bah justement. Pour faire un peu le bilan de tout ce qu'on a dit, on peut dire globalement que on est tous plutôt. On trouve que, en tout cas, l'avenir est encourageant pour le DCU, mais que au final, par rapport au MCU, on n'a plus tellement d'espérance en termes de qualité. On verra ce qu'il en est, si ça rebondit ou pas, mais que pour l'instant, on n'a pas vraiment d'espoir.
sur un changement drastique de vision, là où par contre même moi qui suis pas forcément un fan de DC, j'avoue que j'ai quand même beaucoup d'espoir pour voir des beaux films des beaux films chez DC. Maintenant que j'en lis plus, j'avoue que maintenant je suis un peu plus en attente là, de ce côté là, ça aide on va dire. Mais ouais. Moi, j'ai pas abordé le sujet, mais j'ai une vraie interrogation sur Superman par James Gunn. On connaît tous le sens de l'humour de James Gunn. Et je l'attends là-dessus. Je suis pas sûr que ce soit le sens de l'humour le plus adapté à Superman. Je suis très curieux parce que j'avais oublié que l'un des premiers films écrits par James Gunn, c'est quand même ouvre sur une scène où une meuf parle à un pénis mutant. Ça s'appelait trop mieux, Juliette. Comment on va un perso aussi hératique et aussi messianique que Superman, même si c'est pas Messie, c'est plutôt Abraham, et ben ça, si un jour on fait une émission sur Superman, on en parlera. Oui, c'est plutôt qu'Abraham, qu'est-ce que je raconte comme connerie. Bref, comment ça va se diluer, le sens de l'humour de James Gunn, particulièrement crade, va se diluer là-dedans. Moi, je pense que l'humour viendra d'un autre personnage et pas de Superman. Ouais, bien sûr. Il y aura un personnage qui sera encore à ce rôle-là, hein, clairement. Ouais. Et je puis, pense. Quelle créature en full image de synthèse on aura dans Superman? Ça. Ah, wesh. La Jimmy Olsen. Non, pour le Colin Greenleaf, pas pour le personnage en image de synthèse, rassure-moi, David. Jimmy Olsen en full image de synthèse. Bon, non, non, mais. On aura chacun notre formation de chat. Ouais, mais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Métamorpho dans l'anciennement. C'est le chat. Je pense qu'il va s'éclater avec. Ouais. Ouais, c'est. Je sais pas si les droits de Plastic Man sont à nouveau libres, parce que pendant très longtemps ils étaient bloqués par les Wachowski. Métamorpho, Plastic Man. Enfin, pour conclure, du coup. Woody Garner, effectivement. Pour conclure. Qui a montré son cul à toute la Justice League. Ouais, c'est vrai. Pour conclure, donc, avec cette partie sur le DCU ouais. et le MCU, du coup, on peut dire que. L'espoir est plutôt du côté de James Gunn et de tout ce qu'il va nous concocter pour l'avenir. À ma foi, du coup, ça fait 2-0 pour DC, c'est ça? C'est... Ouais, c'est un peu ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas faux. Hein. C'est pas faux. Moi, je parle pas de DC dans les recours. Moi non plus. Ouais. Alors d'ailleurs, au niveau des recos, je vais intervertir les deux titres dont je voulais parler, parce qu'au final, je préfère parler de Bad Heidi. On va être deux à parler de Bad Heidi. Tant mieux. Après, il faut dire aussi que c'est un peu un événement en France, le fait que Bad Heidi arrive, parce que ça a été très attendu pendant très longtemps. Donc, le fait qu'on parle de Bad Heidi, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Si ça peut, en plus, on va pas se mentir, aider Bliss, qui a connu de mauvaises années dernièrement avec les catastrophes, les gros problèmes de Valiant, si ça peut les aider à bien vendre les titres, moi je dis c'est tout bénef. Alors juste quand même, moi donc je vais me permettre de commencer donc les recos, on va parler chacun. On va rentrer dans la dernière ligne droite de l'émission. Dernière ligne droite, avec pas mal de retard, hein. Vraiment on devrait finir l'émission, mais bon, on a eu tellement de soucis, on va s'autoriser un dépassement ce soir. Initialement, on envisageait de traiter deux titres, chacun. Là, clairement, on n'aura pas forcément le temps. Moi, le premier titre que j'envisageais de traiter, à la base, c'était 8 Billion Genies, donc par Charles Soule, publié chez Panini. Un titre que j'ai beaucoup aimé, donc je ne vais pas forcément faire la critique aujourd'hui, peut-être la prochaine fois. En tout cas, vous pouvez retrouver la critique sur le site. J'ai fait ma critique à l'écrit. Donc un super titre. En gros, le principe de base, c'est que d'un coup, tous les humains ont droit à un génie et à un vœu. Et chaque vœu sera exaucé. Maintenant, il y a plein de règles qui font... que tous ne peuvent pas forcément être exaucés comme les personnes le souhaitent. Il y a des règles à respecter et on se retrouve vite dans un bordel juste pas possible. Enfin, c'est plein d'humour, je trouve niveau dessin c'est très sympa. Les génies sont incroyablement attachants, moi je les trouve magnifiques, je les adore. C'est plein d'action, plein d'humour, c'est barré. Et en fait le gros avantage c'est que Charles Soule prend un concept qui est quand même assez compliqué à
traité jusqu'au bout en respectant tout, mais le fait très très bien, là où je pense que d'autres... Alors, le chat, par contre, tu vas tout nous éteindre si tu reviens. Là où d'autres scénaristes... On va choper notre invasion de chat. C'est ça. sauf que le mien, il est très très insistant. Et que, du coup... Charles Saul respecte bien son concept du début à la fin et n'a pas peur des complications et fait le truc jusqu'au bout. Donc ça, c'est vraiment génial. Voilà. Donc si vous voulez avoir la critique entière, allez sur le site. Si je peux rajouter un truc sur Charles Saul, il est très bon en indé. Sa marvelerie n'était pas magique et je recommande de lire Letter 44. Je ne sais pas si c'est encore trouvable parce que c'était chez Glénat. Letter 44 qui était exceptionnel, une série sur une invasion extraterrestre menée avec en fait un vaisseau extraterrestre arrive aux confins du système solaire et le président des États-Unis envoie une mission, le 43e président des États-Unis envoie une mission pour les retrouver et en fait passe le bébé à son successeur, le 44e président des États-Unis. C'était super, une série en une dizaine de tomes, je crois. Ça n'a jamais été fini en VF1 hein. Si, ça a été fini, je l'ai lu la fin. Ok, il me semblait que c'était pas fini. Ah non, il y a eu la fin. Ok. Alors par contre, quelque chose où il n'y a pas eu la fin, c'est Curse Words, qui est aussi donc une série faite par, en plus, le même dessinateur et le même scénariste, où on a eu qu'un tome chez Glénat, malheureusement. Alors j'espère qu'un jour, un éditeur retentera l'aventure, j'ose espérer. Peut-être Panini, si Ed Billion Genies se vend bien, ça leur donnera peut-être des idées. Mais voilà, ça c'est un truc, moi j'avais adoré le premier tome. Et Woodward aussi, qui a eu qu'un tome aussi chez Glénat, qui était vachement bien. C'est vrai. Aussi. Donc voilà, moi du coup je ne vais pas traiter ce comics là et à la place je vais traiter d'une sortie prochaine, je crois qu'il sort le 8 mars. J'ai eu de la chance parce que j'ai pu avoir en avant-première Pirate Queen de chez Bad ID. Alors je vais quand même vous montrer pour comparer. Parce que du coup, on a eu dans le même, chez le même éditeur Bad ID, L'œil d'Odin qui est sorti, dont Simon va parler juste après. Donc, juste pour montrer en termes de qualité, le bouquin. Les bouquins sont à la même taille. Enfin, ça va être un standard de taille, je pense, chez. Je recule un peu. Chez Bliss, au niveau des éditions de ce qu'ils font chez Bad ID, avec le même traitement, vernis sélectif, papier de couverture assez mat, avec une texture très brute. Moi perso j'adore, vraiment je trouve la fab incroyable, c'est très très beau livre, j'adore les beaux livres, et là forcément ça me plaît à mort. Donc j'ai fait la critique là, qui est sortie je crois hier, de L'œil d'Odin sur le site, vous pourrez retrouver aussi. Ou alors vous aurez la critique de Simon juste après. Donc pour Pirate Queen en fait ça parle d'une pirate qui s'est mariée avec un pirate chinois et qui s'est vite fait une réputation parce que elle est née sur un bateau, sa mère est morte et a été élevée par son père qui était pirate. Et du coup ça devient un peu la reine des pirates, elle est connue pour son savoir-faire et son côté un peu sauvage qu'elle a. Et donc elle se marie avec un pirate et il s'avère qu'à un moment donné ils sont capturés par les Anglais, par les soldats de la marine anglaise, qui les capturent et qui veulent les pendre. Sauf que chez les Anglais, il y a une loi qui veut que ils n'ont pas droit de pendre une femme enceinte. Ils n'ont pas le droit d'exécuter une femme enceinte. Et il s'avère que, justement, elle est enceinte. Du coup, ils vont pas la pendre, ils vont la lâcher, ils vont la foutre sur un radeau en disant, de toute façon, elle va claquer. Et voilà, sauf que, elle va pas forcément claquer, et surtout, elle va avoir très envie de se venger. Et c'est cette quête de vengeance qu'on va suivre dans ce récit, que je trouve absolument génial. Alors moi, la piraterie, je suis vraiment un fan. Dès qu'il y a des trucs sur les pirates, c'est vraiment une époque que j'adore. J'adore ce côté un peu barbare, sans foi ni loi. Vraiment, c'est un univers qui me botte à fond. Et là, franchement, c'est...
c'est plein d'énergie, c'est un récit haletant, clairement, ça s'arrête pas. Je vous montre la première, vous voyez, ça ouvre directement sur la scène de pendaison des pirates en question, avec notre héroïne, hop, juste ici. Héroïne ultra badass, ultra attachante aussi. Il y a beaucoup de dialogues. Alors ça, je pense que ça va être un truc qui va être propre un peu à Bad Heidi, parce que déjà dans L'Œil d'Odin, je sais pas si toi t'auras trouvé la même chose, mais je trouve que c'est assez bavard en termes de par rapport aux cartouches narratifs. Il y a beaucoup de narration en cartouche, plus que dans la plupart des comics, je trouve. C'est assez verbeux. Alors Peter Milligan, c'est ça, sur Paris? C'est Peter Milligan, ouais. Ouais, Peter Milligan est pas le moins bavard des scénaristes, tout comme Joshua Dysart n'est pas le moins bavard des scénaristes. Ok. Donc oui. Après, est-ce que c'est propre à Bad Heidi ou est-ce que c'est On verra avec les prochains titres, mais. On verra avec Tanker, qui est le prochain titre Bad Heidi en France. C'est ça. Tanker, de mémoire. Tanker, ça. Dinosaures, il va y avoir des dinosaures. Ouais, voilà, ça, je l'attends aussi avec impatience. Truc complètement barré. Enfin, voilà, moi, franchement, j'ai adhéré direct à ce titre parce que ça arrête pas. Il y a beaucoup de textes, ça explique tout. Enfin, c'est un récit d'action, mais qui est pas con du tout, qui est super bien foutu. Les dialogues sont dingues. Je vous dis, le personnage, enfin voilà, je trouve, il y a des planches. Là, je trouve que sur ce genre de case, le personnage, quand on voit son regard, on voit tout de suite la personnalité qu'elle peut avoir. Enfin, c'est vraiment. On peut dire que Paulina, il s'est gratté, quoi. Ouais, il s'est gratté, bah, clairement. Il y a un côté un peu The Sorogu, je trouve, dans son graphisme, très fort. Un petit peu. Très, très fin. Ouais, un petit peu, je trouve aussi, c'est vrai. C'est vrai, exactement. La différence d'âge, c'est plutôt The Sorogu, qui est un côté Adam Paulina. Oui. Enfin voilà, en tout cas je remonte quelques parties, mais voilà, niveau dessin c'est absolument magnifique, moi j'ai adoré, en plus les planches sont très grandes, donc vraiment on en profite à 100%, le papier est vraiment nickel, enfin voilà, le récit je l'ai trouvé génial, comme je disais avant qu'on commence le live, je l'ai lu hier soir, hein, donc c'est tout frais, je l'ai reçu hier, donc je l'ai lu dans la foulée, je m'étais dit je vais lire deux chapitres, et puis je lirai la suite plus tard, tant pis. Et au final, bah, je l'ai commencé, je l'ai fini direct, parce que c'est tellement haletant et on s'attache tellement au personnage qu'on a envie de savoir ce qui va lui arriver, ce qui va se passer. Et je trouve ça absolument génial. Et pour l'instant, pour avoir lu les deux premiers titres Bad Heidi, il y a un côté vachement adulte, vachement mature dans les titres qu'il propose. C'est vraiment très mature. Il y a des côtés un peu barrés dans les concepts de base. Ils poussent leurs idées jusqu'au bout. Ou à Tanker, c'est clairement. Enfin, puis encore, c'est pas le pire. Je sais plus le nom, mais celui avec le Père Noël là. Mais je l'attends, mais alors avec une impatience que tu peux pas imaginer. J'ai plus le nom. Le truc Uberu, la Good Boy, ça a l'air exceptionnel. Aussi. Enfin, franchement, ils ont des équipes créatives qui sont absolument folles. Parce que déjà, c'est celles qui étaient chez Valiant. Moi, je les aimais chez Valiant. Mais là, en fait, on sent qu'ils ont aucune limite. C'est-à-dire que Dinesh, il a dû leur dire, les gars, vous voulez écrire un truc, vous l'écrivez. Je regarde. Je sais que vous allez faire des trucs qui pètent. Mais faites ce que vous voulez et on le publie. Et ben, clairement, on se retrouve avec deux titres absolument, que je trouve absolument géniaux. Et franchement, si on a ce genre de qualité qu'on a sur ces deux premiers titres, sur tout ce qu'on retrouve chez Bad Heidi, bah alors, moi, je pense que Bliss, ils vont revenir au summum de ce qu'ils ont pu être aux meilleures années Valiant, voire même encore au-dessus, parce qu'ils vont avoir un catalogue de fou furieux rien qu'avec cet éditeur. Et voilà, moi, en tout cas, je trouve que pour revenir on va modérer, il n'y a pas énormément de titres non plus chez Bliss en anglais. Il n'y a pas 140 titres, il y en a une dizaine. Donc ça risque d'aller assez vite. De titres chez Bliss? Non, chez Bad Heidi en anglais déjà de base. Il y a pas Non, bah il n'y en a pas 150, mais je veux dire, c'est que déjà, je veux dire, s'ils ont une dizaine de bouquins à terme d'ici un an ou deux chez Bliss, de chez Bad Heidi, qui sont de ce calibre-là, je veux dire, rien que ça, ça va redonner une image. Mensuelle. Clairement, non, ça c'est sûr et certain qu'en termes de quantité. Il faut qu'ils aient ça. Ouais, voilà, non, mais c'est sûr, il n'y a pas la même quantité qu'il y avait chez Valiant à un moment donné. Moi, je parle vraiment en termes de qualité pure.
Sachant qu'on a les mêmes équipes créatives à peu de choses près que chez Valiant, quand il y a eu les meilleurs titres, quand il gagnait toutes les récompenses chaque année et tout, si tout se retrouve chez les productions Bad ID, Bliss, ils vont avoir un catalogue de malades en termes qualitatifs, rien qu'avec Bad ID. Et en tout cas, en termes de fabrication, encore une fois, je trouve que Bliss a vraiment fait le job, et ils l'ont dit dans le podcast Third Sprint, qu'ils voulaient vraiment mettre en lumière tout le travail de Bad ID. Et moi, je trouve que c'est réussi, les bouquins sont canons, et la qualité est top. Alors, juste pour chipoter, comme souvent chez Bliss, on retrouve des petites erreurs dans les dialogues. Il y a des fautes qui traînent. Alors j'ai trouvé que dans celui-là, il y en avait moins que dans l'œil d'Odin. Mais il y en a une ou deux qui traînent. C'est assez régulier chez Bliss. Alors après, on va pas se mentir. Chez Panini, il y en a aussi. Chez Delcourt, il y en a aussi. Mais voilà. Vestron, j'en lis pas. Donc je peux pas dire. J'ai lu les deux intégrales Power Rangers, c'est tout. D'accord. Bon, en tout cas, voilà, il y a quelques petites pastilles, mais franchement, on fait à peine attention. C'est la qualité, elle est largement au rendez-vous. Je ne peux que vous conseiller ce titre. Alors, je me rends compte que je n'ai pas le prix de 22 euros. Franchement, 22 euros pour ça, c'est vraiment bien. C'est nous ne ferons aucune comparaison avec d'autres éditeurs. C'est pas cher payé. Qui sortent de l'indé et qui appartiennent à des grands groupes. Ouais. Comme Hachette. Là, c'est 22 balles pour un tome comme ça, de cette qualité-là. Allez-y, les yeux fermés. Je ne citerai aucun livre indé d'auteur féminine qui coûte 27 euros pour un petit format avec un paquet de merde. Ouais. Et qu'après, les gens font ouin-ouin. C'est une erreur de production. Ouais, et puis qui sera réimprimé avec un papier plus épais prochainement. Alors, si tu l'écoutes, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ouais. Alors, du coup, je vais je vais laisser la parole à Simon. Je ne sais pas de quoi tu vas parler. Jimmy. Bien sûr. Ouais, j'arrête pas de parler depuis le début de l'émission. Allez, Jimmy. Mais du coup, moi, je vais parler de la prochaine relance de DC au cinéma. Donc là, je vais parler de la dernière relance de DC en comics. Le Dawn of DC, bon, c'est pas vraiment une relance, c'est plus, comme ils disent, une saison 2 de l'ère Infinite. Au final, j'avais pas lu beaucoup... J'avais un peu lâché DC aussi, comme toi, Simon. J'ai repris récemment avec le Nightwing Infinite. Et donc ça, c'est la deuxième série que je lis dans la nouvelle continuité, d'actu, quoi. Et je suis pas déçu du tout, parce que déjà, j'aime beaucoup la formule d'Urban de mettre deux séries dans un bouquin. Je trouve que c'est vraiment... surtout là, d'autant plus sur Superman, que ça, les deux séries vont vraiment ensemble, Superman et Action Comics. Limite, j'aurais préféré qu'ils mettent un chapitre de chaque en alternance. Je dis bien limite, parce que ça fait bizarre de revenir au début quand tu commences la deuxième série, mais en fait ça aurait donné peut-être un côté un peu plus kiosque vers lequel ils ont pas voulu se rapprocher, je veux dire. Mais surtout ça fait, je pense que ça ouvre pas au grand public d'avoir une narration saccadée en alternance. Pourtant ils l'ont fait sur des comics comme Wonder Woman ou c'était Clark Kent Superman, je crois, qui était en un tome. C'était un tome Action Comics et un tome Superman. Bon, c'était pareil, c'était un peu discutable, mais en tout cas là, je trouve que la formule est vraiment bonne de mettre les deux séries dans un bouquin. Surtout d'autant plus quand les deux séries sont vraiment très quali. La première elle est très très bien, très accessible aux nouveaux lecteurs. Je mets un petit bémol sur le dessin qui est il est bon parce que les environnements sont bons et tout ça, mais j'ai un vrai bémol à mettre sur les visages quand on voit que Superman a ce visage. Ah ouais. C'est pas Superman qui me choque le plus. Hein. Ouais, non, mais enfin, en fait, de loin,
De loin, les pages sont belles. Très figé, bonhomme. Ton image bouge plus. Ah merde, putain, attends. Hop. Ça, c'est parce que c'est l'image de Superman. C'était. T'as fait planter la webcam. Hop. Attends deux secondes. Bah merde. Down of DC, j'ai lu le JSA et le Shazam. Et par contre, sur le Shazam, ils n'hésitent pas à entrecouper le. Ouais, il est bien. Je viens de l'acheter. Bon pour les yeux. Je viens de l'acheter, je ne l'ai pas encore lu encore. C'est un bon pour les yeux. Doc Shanna et Dan Mora. Dan Mora. Voilà. Et Doc Shanna, on n'en parle pas assez de Dan Shanna, mais c'est. Pour ceux qui suivent la carrière de Tom King, Doc Shanna, c'est celui qui a fait Strange Adventures avec Tom King, qui est sorti l'année dernière, je crois, ou il y a deux ans. Je sais plus. Bref, passons. Là, ils n'hésitent pas, ils n'ont pas hésité à intervertir quand la narration le demande. Il y a un épisode d'une autre série entre deux épisodes de la série régulière. Ok, voilà. C'est cool, du coup. J'ai fini à toi. Du coup, j'ai lu que Superman et JSA, je m'en vais chercher Shazam et c'était quoi et Titan la semaine prochaine, donc je te dirai ce que j'en pense aussi. Mais du coup, la partie Action Comics est beaucoup plus belle parce que dessinée par Dan Mora. Attention, montre pas si c'est moche, hein, parce que ça va pas. C'est pas Dan Mora, attends, si. Non. Je sais plus. Ça ressemble pas. Peut-être. Dis de la merde. Rafa Sandoval, je suis con. Si vous voulez lire du Superman par Dan Mora, il faut lire World Finest. Oui, bah justement, c'est ce que je disais avant. Il est vachement bien. Bah moi du coup je viens de commencer, donc j'étais en train de lire le 1, mais du coup, même si c'est Rafa Sandoval. On a vraiment des belles pages, quoi. Je suis en train de chercher des pages assez iconiques, mais enfin, on se retrouve avec un beau Superman ouais. Avec un visage normal, du coup. Ouais. Non, mais enfin, franchement, ça faisait vraiment, enfin, ça m'a vraiment fait bizarre la grande partie Superman là, parce que c'est une majorité. Je crois qu'il y a un chapitre de plus de Superman que d'Action Comics. Mais ça casse un peu, quoi. C'est. Je sais pas, même le Lex Luthor, il est pas. Ouais, tu vois. Alors que pourtant, enfin, en termes d'environnement, ça fait très numérique aussi. Mais en termes d'environnement, c'est pas mal. En termes de compo, c'est pas mal non plus. Regarde, genre. Là, il est en train de se battre contre. Je sais plus qui c'est. Silver Banshee, voilà. Donc. À voir ce que donne la suite. Je me suis pas trop renseigné. J'ai pas trop vu qui est-ce qui dessinait la suite. Mais. Ça se lit, quoi. La première partie se lit et la deuxième partie est vraiment vraiment bien. Entre deux, t'as je crois que t'as du Night Terror que j'ai pas lu parce que j'ai pas envie de m'infliger ça. Ouais, alors le problème sur Shazam, c'est que Night Terror, c'est ce qu'il y a de plus mauvais sur les deux de Shazam. Ça va, ça dure que deux épisodes. Mais il faut le lire, parce que sinon tu crois il y a des trucs que tu vas pas comprendre. Ah merde, ok. Moi je l'ai lu, donc ça va. Tu disais ? Oui, je disais que je l'avais. Heureusement je l'ai lu. Ouais. Alors que je comptais pas lire aucun Dawn à la base, aucun Dawn off, et heureusement je l'ai lu quand même. Moi je me demande plus le JSA et Shazam. Ouais, bah moi jusque là je les ai franchement tous passés. Heureusement tu me dis du coup sur Shazam il est indispensable, sinon franchement je l'aurais pas lu. Non, les épisodes de Night Terror qui sont présents dans Dawn of Shazam qui sont nécessaires d'avoir lu. Oui, non, bah, du coup, okay. je les lirai, ouais, mais je veux dire, sinon, franchement, j'aurais rien lu, parce que, de toute façon, même les 20 en soi m'intéressent pas des masses. Et les seuls échos que j'ai sur les tie-ins sont encore pires, donc, enfin, voilà. Oui. On va renoncer à un deuxième album de Terror avec les tie-ins, c'est dire. Bah, ouais. Et puis du coup, moi la deuxième série dont j'avais prévu de parler en complément du Dawn of Superman,
c'était le Superman Origins Secret de Geoff Johns, qui me paraît pas mal parce que bah, du coup, je pense que si ça amène des nouveaux lecteurs, ça amène le Superman de Geoff Johns, Origins Secret, on s'entend, est vachement facile d'accès, c'est vraiment beau par Gary Frank, et en plus il y a un ennemi commun avec le Dawn of Superman, donc ça peut faire, ça fait une belle continuité entre les deux, quoi. Voilà. Ok, super. Bon, bah, toi, Simon, ouais. Du coup. C'est là que les Athéniens s'atteignirent. Alors, je vais commencer, un peu à l'image de notre Maximo, par le titre que je ne vais, dont je vais pas rentrer dans les détails. Moi, je vais parler des tortues. Enfin, justement, je ne parlerai pas des tortues. voilà, c'est le tome 3 de l'intégrale des tortues. Je ne m'étais jamais intéressé aux tortues ninja, même quand j'étais petit, et j'avais l'âge qu'il fallait au moment de la Tortue Mania. Je suis tombé amoureux des tortues avec la sortie d'Intégrale 1. En vrai, historiquement, d'abord The Lost Running qui m'a fait dire « Ah, il y a des choses sympas sur les tortues en ce moment. » Et puis l'annonce de l'Intégrale des tortues avec des titres, avec des épisodes qui n'étaient pas compilés dans les versions publiées chez iComics. Ouais. C'est vraiment... alors, il parle d'intégrale, moi je parle de Perfect Edition, puisque tout est compris dedans. Sur du coup, un rapport page-prix qui est quand même assez compétitif, même si c'est cher parce que c'est une vue intégrale, il y a des trucs qui vont... Attention, le tome suivant, il va y avoir des choses qui ne sont jamais sorties en français, qui ne sortiront pas en français. La mini-série TMNT Ghostbuster, par exemple, qui est dans le propos intégral, n'est pas sorti en français. Il sortira, je pense, vu qu'il n'en parle pas, à mon avis, il ne sortira jamais. Bref. Lecture hautement recommandable, passionnant. Le tome 2 est un peu en dessous. La guerre de Kron, c'est dans le creux. Pas le meilleur arc de la série. Par contre, derrière, il y a l'histoire secrète du Foot Clan qui est vraiment vaut le prix de l'album à lui tout seul. Et là, on est sur un arc narratif Cityfall avec Dark Leo. Et c'est vraiment, je l'ai lu en une demi-journée, alors que vous voyez l'épaisseur du machin. Et vraiment, vous voyez, il y a des jolis effets de fable dessus. C'est un produit ultra qualitatif et vraiment très bien. Mais ça n'arrive pas à la cheville de l'autre lecture du mois de février. Et moi, j'ai eu en janvier. Moi, j'avais cramé aussi. Toi, tu n'avais pas de couilles en avance. Moi, c'est lui que j'ai eu en avance. C'est le Godin que j'ai eu un peu en avance parce que. Dans la librairie juste à côté de chez moi, quand je dis 200 mètres de chez moi, Monsieur Thomas Giorello était en dédicace fin janvier, juste avant Angoulême, et donc on a eu droit à... Attends, regardez-moi ça. On fait ça en 5 minutes. Il a fait ça en 5 minutes. Ça à main levée. C'était à vous dégoûter. Bref. Donc, le Godin. On n'a pas le temps, et j'ai pas envie de parler de Bad Heidi... parce qu'en fait, au final, on s'en fout de Bad Heidi. Leur publication, leur modèle de publication US, on s'en fout. Parce que ici, on est pour parler de VO. Enfin, d'un modèle de VO, on s'en fout, c'est le modèle de VF. Je me permets juste, de toute façon, il y a un article sur le site qui parle de leur façon de publier. Et ça, parce qu'on a beaucoup, ils disent « Ah, Bad Heidi. » Mais en fait, bon, il y a plein de choses qu'on aurait à dire, mais c'est pas le moment, c'est pas le lieu. On est pour parler sur l'œil d'Odin. L'œil d'Odin. Donc, Joshua Dysart, plus Thomas Giorello. Vous avez compris qu'ici, on était plutôt des Valenzouz. Donc, Joshua Dysart, si vous êtes très nouveau guêtre du côté de Valiant, on est quand même chez... c'est quand même le mec derrière la trilogie des Psychotiques. Donc, Harbinger, Imperium et Vie et Mort de Toru Arada. Qui est clairement, en plus, c'est un peu son arc de rédemption, lui, Valiant. C'est un mec qui revient de loin, qui a été en dépression, qui a été alcoolique, et qui s'est... C'est lui qui le dit, c'est pour ça que je n'extrapole pas, c'est lui qui le dit, que littéralement, Harbinger et le personnage de Face dans Harbinger lui ont littéralement sauvé la vie. Et depuis, ce mec, il est en feu. C'est depuis son passage chez Valiant, il est en feu. Il a fait Emergency Level 3, qui était un BD
une BD sur les conflits à travers le monde, qui était une BD caritative qui était très bien. Good Night Paradise, dont on ne dira jamais non plus assez bien. Et il est revenu chez Mauvaise Idée Éditeur avec ce récit, L'œil dedans. Donc, qui se passe. Alors, je suis désolé, Baptiste, si tu nous écoutes de Comic Speak, mais tu as dit beaucoup de trucs qui sont de contre-vérité à propos de ça. Ce n'est pas un univers de fantasy, c'est un univers historique. Parce que qui est documenté historiquement, puisque on sait, il y a eu effectivement des phénomènes météorologiques qui sont abordés dans ce bouquin, qui sont dans ce bouquin vus du point de vue des Vikings de l'époque, enfin des Norsois de l'époque, vus comme une intervention divine. Nous, on sait que c'était une histoire de volcan aujourd'hui. Et ça suit l'histoire d'une jeune fille, Solveig. Solveig qui, selon le point de vue, est soit quelqu'un qui est atteint de... maladie avec les problèmes de cerveau, réseau électrique dans le cerveau, c'est... qu'on appelle le grand mal au Moyen-Âge, ou la danse de Saint-Guy, donc qui est soit quelqu'un de malade et qui a des visions, soit une prophétesse, une morne, j'ai oublié le nom, il est tard, excusez-moi, je sais confus. Et donc cet enfant a des visions divines et se pense investi d'une quête qui est de retrouver l'œil d'Odin, puisque si vous intéressez à la mythologie, vous savez qu'Odin a fait don d'un de ses yeux pour avoir la sagesse. Et en vision, elle entend que les dieux ne pourront survivre au Ragnarok que si Odin récupère son œil. Mais il ne doit pas le demander, c'est à elle d'aller le chercher. Et donc, une bonne partie de cet album tourne autour. On va l'ouvrir quand même parce que vous voyez un peu les dessins de Thomas Durello. Ils sont. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Ouais, c'est ça. Lui aussi, il était tout fou. C'est une dinguerie. Et donc, le récit, le voyage de cette jeune fille va se faire d'un point de vue à la fois strictement physique, puisqu'elle va rencontrer d'autres tribus, elle va rencontrer d'autres personnages, je vais pas rentrer dans les détails pour pas spoiler, mais bon bref, et d'un point de vue aussi strictement métaphorique, puisqu'elle a du mal à faire la différence entre la réalité et ses visions. Il y a une ambiguïté qui est maintenue une bonne partie du récit, sur est-ce qu'elle est folle, est-ce qu'elle est malade, ou est-ce qu'elle a de vraies visions. Je ne rentrerai pas plus avant parce que il faut le plaisir de la découverte qui est pour beaucoup là-dedans. Maintenant, j'ai un problème avec ce livre, c'est sa fin. Ouais. Sa fin, qui est une fin, c'est même plus une fin ouverte à ce niveau-là. Ah oui. Mais il n'y a aucune suite annoncée, vous voyez, sur la tranche, il n'y a pas de numéro 1, il n'y a pas de suite en anglais, et le programme de Bagagi étant un mystère absolument total, on n'a pas de news d'un éventuel tome 2. Or, si ça se termine vraiment comme ça, je ne vais pas bien le vivre. Considérer que c'est à la limite d'être une arnaque. Je serais pas étonné qu'il y ait une suite directe sous un autre nom et que ça pop d'un coup. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est s'il n'y a pas une suite directe, même si elle s'appelle pas L'œil dedans, tome 2. Ouais, la fin, elle fait mal. En fait, ça se termine à un moment où tu te dis, c'est dans ce moment, c'est maintenant que ça commence en fait. Ouais. Cela étant dit, comme disent les bouddhistes, le plus important sur un voyage, c'est pas forcément la destination, c'est le trajet. Et le trajet est exceptionnel. Parce que pareil, Thomas Giorello, si vous avez très mauvais guêtre du côté de Valiant, hein, c'est un mec qui est derrière pas mal d'épisodes de Bloodshot, et derrière aussi pas mal d'épisodes de l'excellent XO Manowar par Matt Kint, si je ne me trompe pas, c'est ça. Empereur à esclave, guerrier, machin, enfin, cette trilogie est, où j'adore vachement bien. Empereur à esclave, non, ça c'était dans la première série. Matt Kint, il est en exil sur une autre planète. Oui, mais les titres des albums. Ah oui, ok, oui, non, oui, oui. Ok. Ouais, c'est ça, c'est les titres des albums, je crois que le premier c'est. Ah, c'est possible, j'ai plus. C'est Esclave Général. C'est la trilogie de Matt Kint, enfin trilogie, parce qu'en France c'est en 3 tomes, de Matt Kint, qui est vachement intéressante. Moi je me suis fait une réflexion en lisant ça,
en termes de parcours des auteurs. Ça m'a rappelé, si vous êtes un vieux machin comme moi, vous avez connu Crojean Comics. Et Crojean Comics, qui était pas forcément très qualitatif, mais il y a des auteurs et des dessinateurs chez Crojean qui ont littéralement une mue artistique. Pense à des mecs comme Jeffrey Middleton, comme David Chang, celui qui a fait Young Avengers avec Alan Nightberg, qui avant d'arriver chez Crojean étaient pas top tier, et qui ont littéralement explosé après leur passage là-bas. Et j'ai l'impression que les conditions de travail à Bliss font que tous les gens qui sont et avant même Valiant, on fait qu'il y a toute une génération d'auteurs et de scénaristes et dessinateurs qui étaient pas forcément exceptionnels, ont littéralement explosé et se sont ont révélé leur potentiel en bossant là-bas. Et Thomas Giorello, moi j'ai aucun souvenir de ce type-là avant d'arriver chez Valiant. Ouais. Et depuis, c'est masterclass sur masterclass sur masterclass. Il a explosé là-bas. Il a explosé là-bas. Et pour l'anecdote, il nous racontait en dédicace que les plans comme foireux de Bad ID font qu'il a loupé, il n'a pas pu faire être embauché par McFarlane sur Spawn. Parce que pour ceux qui ont connu, à un moment Bad ID avait annoncé qu'il fermait et qu'ils arrêtaient tout. Et apprenant ça, McFarlane s'est jeté sur l'insta de Thomas Giorello et lui a fait: bonhomme, j'ai lu les dodins, il faut qu'il vienne bosser sur Spawn. Et le mec lui a dit: ben non, parce que je suis exclusif chez Bad ID et Bad ID existe encore. Et voilà, donc on a pu avoir Thomas Giorello sur Spawn. Voilà. Pour la blague, donc j'ai pas forcément très bien vendu l'album, j'ai l'impression, mais lecture réellement indispensable. Vraiment une claque incomparable de ce début d'année. On aurait pu parler de It's Gonna Be Center of the Earth, mais pour moi c'est un autre genre. Mais dans le comics de genre, indé, c'est pour moi là ça va être difficile d'atteindre ce niveau-là. Et je pense qu'en dehors d'un Bad ID, bon, ça parlera de Queen ou à Tanker qui va arriver plus tard dans l'année, je sais pas ce qui va me retourner comme ça. Je pense honnêtement qu'un Pirate Queen te retournera pas à ce point-là, dans le sens où c'est pas le même registre. Oui, et puis il est plus court. Et là, il y a 6 épisodes, il y en a 5 sur Pirate Queen. Mais en termes de qualité, c'est tout à fait comparable. À noter que Peter Milligan de Pirate Queen est l'auteur de ma série favorite chez Valiant, qui était Les Britannia. Britannia. Voilà. Dinguerie absolue aussi, qui va connaître une suite. Oui, qui va connaître une suite, mais pas avec Juan José Rip. Ouais. Oui. Qui est pour beaucoup dans le succès, dans l'intérêt au moins des deux premiers Britannia, quoi. Alors moi, par contre, pour Juan José Rip, je sais que moi, c'est un dessinateur que je n'aime pas, sauf... Enfin, en fait, que j'aime en fonction de la colorisation qu'il a. La colorisation qu'il a dans le premier Britannia, je n'aime absolument pas. Par contre, dans les deux autres, ça change tout, je trouve. Je sais plus qui colorise, mais... Une rubrique sur les dessinateurs dans les prochains lives, mais c'est vrai que Ron Roserick a beaucoup de choses à dire. Ouais. Moi, c'est un fils caché de Jeff Darroz, mais qui a beaucoup de mal à détacher son arrière-plan de son plan principal, enfin du premier de l'arrière-plan, et ça entraîne chez moi des problèmes de lecture que tu as moins effectivement sur tome 2 Britannia, mais que tu as très très fort sur... est-ce que c'est pas lui qui faisait Necronomicon de mémoire? Non. Peut-être Jensen Barroz, je sais, je confonds toujours les deux. C'est dès qu'on commençait, dès qu'on Avatar, dès qu'on commençait chez Avatar Press il y a 20 ans. Bref. Nous digressons, et nous avons presque une heure de retard. Ouais. Alors juste, en petit bonus, j'en ferai pas la critique, mais juste parce que puisqu'on en est dans les coups de cœur du moment, je voulais juste vous montrer et vous rappeler qu'en ce moment, il y a ces beautés-là qui sont sorties. Donc Vicious Circle, tome 1 et tome 2. Alors c'est pas très épais, mais c'est pas très cher non plus. C'est des beaux tomes très grands et c'est des vrais claques. Enfin, le scénario est moins important, je dirais, là-dedans que la partie graphique.
mais graphiquement c'est des claques absolues, ça se grillait les rétines. Voilà, je vais pas en faire la critique maintenant, il y aura les critiques sur le site de toute façon, peut-être la prochaine fois. Je pense qu'il va falloir attendre le 3 pour se faire une idée complète du truc, ouais. Et que le 3 n'est toujours pas annoncé en anglais. Ouais, voilà, donc faudra sûrement attendre l'année prochaine, courant fin d'année prochaine, pour avoir la suite et la fin. Mais en tout cas, là, les deux premiers tomes, moi j'ai lu le deuxième hier, c'est absolument génial. Même le scénario, pour le coup, j'étais sur ma fin sur le premier. Le 2 vient combler pas mal de trucs, donc franchement, je peux que vous conseiller ça. Allez-y, c'est vraiment génial. Voilà, c'était un petit bonus, c'était pas prévu, mais puisqu'on en est dans les coups de cœur, j'avais envie de le placer vite fait à ce moment-là. Dans un registre propre, je place Echoland de Gamble H.O. Games 3, qui est aussi d'énormes claquasses. Et très proche dans l'esprit d'un Vicious Circle, puisque différents styles graphiques se cohabitent au sein de la même planche. Et dont l'édition française est plus belle que l'édition américaine. Ce qui est souvent le cas. Parce que plus... Ouais, chez Panini, pas toujours. Ouais, non, en ouais. L'occurrence, c'était parce qu'elle est plus grande, il y a plus de place, c'est un format à l'italienne, enfin, c'est bref, magnifique. Jimmy, t'as ouais. Un coup de cœur à placer ? En troisième, en dernier ? Non, pas récemment. Si, bah, y a Au-dedans qui était vraiment bien, mais... Ah oui, mais Au-dedans. Est-ce que ça rentre vraiment dans le comics pur ? Non. En même temps, ça s'en rapproche. C'est un américain ? Ouais, oui. La définition de comics, c'est BD publié aux États-Unis. Oui, c'est vrai. C'est ça. Ouais. C'est certes un roman graphique, mais ça reste du comics parce que c'est publié là-bas. Yes. Bah, du coup, c'était vraiment une claque de fou à tel point que j'ai eu envie d'en parler... De malade, je voulais en parler partout, donc voilà, j'ai remis ma vie en question pendant une semaine à cause de ça. c'est vrai que c'est un super titre, c'est vrai que c'est un super titre. J'ai failli lâcher l'alarme à la fin. Ah bah moi je l'ai lâché de fou. c'est incroyable. Alors moi je l'ai pas lu. Eh ben va falloir le lire. Ah ouais, tu m'as pas lu. Franchement je sais pas si je reprendrai une claque comme ça cette année. Ouais, mais pour l'instant, on est plutôt gâté niveau. Enfin, je trouve en tout cas en VF, et pour l'instant, on est seulement début mars. Je trouve que quand même, entre la fin d'année dernière et ce début d'année-là, il y a quand même quelques pépites qui sont passées. Je trouve qu'il y en a eu plus pour la fin d'année et ce début d'année-là que dans toute l'année 2023, voire même fin 2022 réunis. Là, on a vraiment des beaux titres, et même encore, il y a quand même pas mal de choses qui sont annoncées pour les mois à venir qui sont assez prometteurs. Et moi, je pense que ça peut être une belle année en termes de publication. Clairement, je suis assez d'accord. Je trouve que pour l'instant, on est assez gâtés, je trouve, en tout cas. Bon, eh ben, c'est avec une heure de retard hein, qu'on va clôturer ce live qui aura connu moult péripéties techniques, indépendant de notre volonté, malheureusement. Bon, bah, c'était un premier, hein, donc il fallait essuyer les plâtres, hein, forcément. Maintenant, riche de toutes ses connaissances, j'ose espérer que le prochain connaîtra moins de problèmes. Voilà, bah en tout cas merci à toutes les personnes qui étaient présentes dans le chat. Il y a eu pas mal de discussions. Merci à David qui nous a bien aidé en étant notre modérateur ce soir et animateur du chat. Merci à toi, et puis merci donc à Simon et à Jimmy qui m'ont accompagné ce soir. Maëva n'était pas disponible ce soir, normalement elle aurait dû m'accompagner, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Peut-être que vous rencontrerez d'autres membres de l'équipe à l'avenir. En tout cas, voilà, je voulais quand même le repréciser, c'est vraiment un podcast particulier parce que c'était le premier. Les prochains seront quand même beaucoup plus axés comics que ce qui n'était le cas aujourd'hui. Et on a déjà hâte de vous le proposer, donc le mois prochain, début du mois prochain, mois d'avril. On vous recommuniquera la date le moment venu. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le site donc comicsculturproject.fr pour retrouver toutes nos critiques, nos articles, nos guides. Les cartes de France Comics, voilà, n'hésitez pas, on publie très très régulièrement de nombreuses critiques, et on espère que vous y trouverez votre bonheur. Et ben, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de soirée, une bonne semaine, un bon mois, et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, ciao, à bientôt, salut les gens, salut.